Et bonjour à tous, bienvenue dans la revue de Pedro. Nous sommes le 28 janvier 2023. Et aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale. Parce qu'on va se concentrer sur l'entrisme des frères musulmans et de l'islamisme en France et en Europe. Et on va voir, puisque apparemment nous sommes omnibulé au camp de droite ou souverainiste, identitaire, on va dire plutôt, par cette chose. Apparemment, c'est une vue de l'esprit que nous avons. C'est sûr que quand on sort dans nos grandes villes, on voit des voiles de partout et tout ça. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, en fait, on va se dire qu'on doit forcément se tromper parce que nous sommes des gros fascistes et que nous voyons des choses, nous sommes omnibulés par ça, alors que tout va bien et que le vivre ensemble est parfait et qu'il n'y a pas du prosélytisme de partout dans tout le pays, tous les jours. Ouais, on va voir ça. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va lire pas mal d'articles, des entretiens, des enquêtes aussi, voilà. On va regarder tout ce qu'on peut pour essayer d'accumuler les informations sur ce qui se passe en fait. Bon. Je sais pas si ça va nous permettre d'aboutir à quelque chose, parce qu'on va lire des choses que je n'ai pas lues, hein, mais que j'ai mis de côté parce que ça avait l'air très intéressant. Et on va voir. On va se faire une idée. De cette colonisation de notre propre pays. Est-ce que nos colonies sont devenues. Est-ce que la France est colonisée par ses colonies? Hier, j'écoutais Bernard Leguen qui disait ça, encore dans une émission. Il a même expliqué que cette expression, parce que c'est son dernier livre, des colonies. Non, c'est. La France est devenue la colonie de ses propres colonies. C'est un mec de gauche en 45 qui a dit ça, apparemment. Un député. Au moment où apparemment ils votaient en 45, ils avaient eu l'idée de voter que tous les peuples de l'Empire en fait auraient eu le droit de vote. Citoyenneté française. Enfin bon, donc on va être parti. Pour cette analyse approfondie de tout ce qui est sorti dernièrement, enfin approfondie comme je peux quoi, parce que c'est sûr que je ne suis pas un journaliste, il y aurait encore plein de choses à faire. J'essaie de vous partager ces lectures pour que si vous êtes en train de travailler, si vous êtes en train d'agir, de faire des choses, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut créer maintenant et tout ça, il faut arrêter de se lamenter sur son sort. Faut créer, ben vous pourrez peut-être écouter ces articles plutôt que parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de les lire. Et donc voilà, c'est ça le but toujours de cette émission, c'est de faire face à la réalité et de dire le plus de choses possibles concernant l'actualité de notre pauvre pays qui se fait massacrer. Massacrer dans tous les sens du terme. Hein. Et donc voilà, donc on va commencer par un article qui est un entretien avec Boualem Sansal, qui pourra peut-être faire aborder le sujet à des personnes qui ne sont pas de notre avis. Comprendre, Boualem Sansal est un Algérien, qui habite, je crois, à Fès. Je crois, je suis pas sûr, j'ai dit certainement une connerie. C'est pas lui, je crois. Et donc, il y a eu un entretien et un ensemble de vidéos, parce qu'il était, je crois qu'il s'était, il était un peu moins dans les médias. On avait dû le mettre de côté pendant la présidentielle, à mon avis. L'année dernière et tout ça, et puis d'un coup, là, en fin d'année, alors c'est certainement parce qu'il sortait un livre, donc voilà, ça c'est toujours le cas. Un entretien en fait avec Boulevard Voltaire, et il y a aussi, il n'y a pas que cet entretien, il y a des tas de vidéos qui sont sorties en novembre, décembre, avec beaucoup beaucoup de choses qui sont dites. J'avais mis de côté dans À voir, si vous voulez aller voir dans la playlist. Notamment une à Boulevard au Figaro, je crois, mais il y en a plein, plein, plein. C'est très, très intéressant tout ce qu'il dit.
Je suis en train d'essayer d'écouter parce que moi je m'intéresse beaucoup à la guerre d'Algérie pour savoir ce qui s'est passé et puis ce qui s'est passé ensuite en Algérie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai allé écouter ce qu'il disait ou lire ce qu'il disait. Et donc voilà, on va démarrer par cet article, cet entretien. Sinon, n'oubliez pas hein, de soutenir les différents médias que je regarde. Là, surtout, là, il va y avoir pas mal de. Toujours pareil, F de Souche, Boulevard Voltaire, VA. Que des trucs de fascistes, hein, bien sûr. Hein, c'est que des trucs de fascistes. Et Le Figaro, ça c'est fasciste boomer. Attention, c'est pas pareil. Et donc n'oubliez pas aussi de liker, de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre ces émissions tous les matins. Ou ensuite pour pouvoir être au fait de l'actu. Bon, j'essaie d'être le plus concis possible, mais en général, il y en a tellement que ça dure plus longtemps qu'une heure. Mais bon. Et puis je suis bavard. Donc alors, cet entretien avec Bolen Sessam, qui va être le premier article qu'on va lire sur le sujet bah, de l'islamisme, qui est quand même très lié aux frères musulmans, c'est pour ça que j'ai titré comme ça, en France. Et donc, comment ça s'étale de partout, et on va voir la vie d'abord d'un Algérien, Bolen Sessam. Mais pas que, c'est aussi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, là on voit qu'il va démarrer sur aussi tout le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient aussi est colonisé par cette idéologie. Des frères musulmans, Moyen-Orient, Maghreb, partout, ils font face aussi à cet islamisme rampant partout. Rampant. Nous, les plus rampants chez nous, dans leur pays, c'est plutôt la mainmise à plein d'endroits. Alors, Monsieur Boualem Tansal, que pensez de la situation en Iran, en Algérie, son pays, où se rend Elisabeth Borne? Et la France alors, faut-il redouter l'islamisme ou l'islam? Les réponses sans concession de l'écrivain Boualem Sansal. Alors, c'est la chef de Boulevard Voltaire, Gabrielle Cluzel. Commençons par l'actualité. On vous sait très inquiet de la question islamiste. Quel regard portez-vous sur les événements en Iran? Sont-ils propres à vous réjouir? Donc, j'imagine que c'était aussi. Comme c'est en octobre, c'était au moment. Mais ça faisait un moment qu'elle avait commencé, je crois, la révolution en Iran. C'était pas le. C'était pas le début, je crois, en octobre, je me rappelle plus. Donc la révolution en Iran, hein, avec les femmes qui se coupaient les cheveux, qui a donné cette situation. Ah, mais t'es là, Remplace TV. Salut. Salut, salut. Ah non, je rigole pas. Comme ça, je suis debout après, pour m'occuper de ma famille. Ah, c'est le petit temps que j'ai tranquillement. Salut, salut, Remplacement TV. Donc je continue. Ah voilà, en plus, il marque soit en disant le nom de sa chaîne, et ben ça correspond bien au sujet. Iran, sont-ils propres à vous réjouir? Alors, Boualem Sensam, qu'est-ce qu'il va dire notre cher Boualem, qui est assez exceptionnel, on dirait un petit vieux. C'est marrant parce qu'il me fait penser à mon grand-père. Bon, c'est mon grand-père, il était plutôt qu'est-ce que je dis de Bourges. Mais voilà, tout maigrichon avec les cheveux longs, là, en gris, et trop, il est stylé ce perso. Ah bah, c'est pour ça, et c'est. Donc là, désolé, je m'arrête, je discute pour une fois avec un peu le chat. Ouais, c'est pour partager les informations, que les gens ils aient une radio autre à écouter exactement, que France Inter. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas encore assez connue, mais au bout d'un moment, on verra. C'est ça, c'est pour faire la concurrence, et c'est pour. Qu'on prenne toutes les plages horaires parce que personne n'avait pris celle-là, c'était sûr. Hein, donc voilà, c'est pour prendre toutes les plages horaires de la journée. Je me suis mis dans une niche. Alors, Bolen Sensal, le fait est remarquable et il faut saluer les Iraniens. Les Iraniennes, ouais, allez, forcément. Bon, les Iraniens aussi, je crois qu'il n'y avait pas que des Iraniennes. Mais c'est vrai. C'est sûr qu'il faut saluer les Iraniennes et pas celles qui. Pas les actrices là, qui s'étaient coupées des cheveux en France, quoi. Mais quelle. C'est n'importe quoi. Enfin bon, pour leur immense courage, il faut les féliciter. Comme il faut dénoncer le fait que les Iraniens se taisent. Ah bon, non, bon, bah non, les Iraniens, non. D'accord. Bon, vaut mieux l'écouter parce que, bon, lui, il sait peut-être certainement plus que moi, je vais juste dire ce qu'il dit. J'aurais voulu les voir enlever leur chèche et se couper les cheveux et la barbe. Ouais, c'est pas faux. Le véritable ennemi de la femme est l'islam. Qu'elles sont par ailleurs les premières à défendre. Mais il est aussi et surtout l'homme qui, par ailleurs, aime tant être le bras séculier de l'islam pour les punir. Tant que les combats des femmes resteront les combats des femmes, l'injustice qui leur est faite restera le fondement de l'ordre général.
Je suis triste de voir encore une fois les femmes seules dans leur combat pour se libérer de cette double oppression, celle de l'islam et celle des hommes. Ah bah c'est sûr que allier des hommes, les hommes alliés à l'islam ou à une religion très, très puissante, c'est chaud pour les femmes, ça c'est sûr. Et pour les non-croyants aussi. Télégramme dans le. Dans le. Tu peux aller sur le Télégramme dans le. Ah putain. Il y a le lien. Parce que j'ai Twitter, j'ai été banni. Mon compte, il avait été banni. Et Discord, non, j'en ai pas. Enfin, j'en avais un avant, mais je vais plus dessus. Alors, Gabriel Cluzel. Pendant que des femmes iraniennes manifestaient, la Commission européenne faisait une nouvelle fois la promotion du hijab via une campagne publicitaire. N'est-il pas étrange de voir l'Europe se voiler quand l'Iran se dévoile? Donc là, c'est, rappelez-vous, c'était la campagne de pub, et il y en a eu pas mal depuis. D'ailleurs, il y en a une ou deux encore que fait l'Europe, l'Union européenne, hein, avec des associations qui sont liées aux frères musulmans. On va le voir après. Donc, les frères musulmans, hein, c'est une des branches les plus rigoristes de l'islam, hein, liées au wahhabisme, si je ne dis pas de conneries. Et donc, c'est vraiment des islamistes, quoi. Y a rien d'autre à dire, quoi. Et bon, voilà, on va voir en détail après. Et donc, il y a eu des campagnes qui étaient faites pour voir des Européennes voilées, quoi. Et il y en a encore plein, là. On se demande, on sait pas trop, bien sûr. Il y a plein de trucs pour dire à chaque fois, oui, il faut l'inclusivité et tout, mais à chaque fois, sur toutes les images, il n'y a qu'un seul symbole religieux, hein, c'est toujours l'islam, quoi. C'est fou comment on se fait quenelliser, c'était un truc de fou, quoi. Alors, Boualem Sansal par rapport à ce truc des femmes voilées. La commission croit faire de la pédagogie en produisant des mantras écologiques du genre. Écologiques du genre. Banaliser un problème et il disparaîtra de l'ordre du jour. Plus on débat d'un problème, plus vite les gens s'en lassent et plus vite ils passeront à autre chose. Traitez votre pire ennemi en ami cher qui vous veut du bien et vous le guérirez de sa folie. C'est marrant, j'avais jamais vu que sous cet angle-là, mais ça me paraît un peu naïf comme analyse de ce que fait l'Europe. Ça, on verra. Popularisation de notre côté des contre-mantras du genre. Ignorons la commission, elle finira par se taire et disparaître. Pas mal. Maintenant que les dégâts sont là, horribles et irréparables, il faut désigner un coupable et le poursuivre. Je me demande qui, à ce stade, est plus nocif pour cette Europe puérile que s'oblige à tant de fausses vertus. L'islam ou la commission? Ou les peuples moutonniers programmés pour suivre n'importe quel loup déguisé en berger? Moi, je suis d'avis qu'on interdise l'islam et la commission et qu'on sanctionne durement les moutons. Eh ben, c'est un peu radical, papy, là. Mais bon. Alors, Gabriel Cluzet, qu'avez-vous pensé de la réflexion de ce député de la France insoumise, Louis Boyard, cette belle petite fistule, renvoyant dos à dos ceux qui imposent le voile là-bas et ceux qui veulent l'interdire ici, en les accusant d'être tous ennemis de la liberté? Ah, il a dit ça, cette petite sous voilà. Hein. Monsieur Boyard, hein, qui sait ce qui est mieux pour la femme, devrait s'obliger à nous l'apprendre. Faut-il interdire ceux qui rabaissent la femme ou interdire ceux qui veulent interdire ceux qui la rabaissent? Attention, hein, et bien cette phrase. La liberté, est-ce la liberté de ne pas prendre parti entre ceux qui imposent déjà depuis des siècles et ceux qui souhaitent timidement d'envisager la possibilité d'interdire et seulement dans l'espace public et seulement quand trop, c'est trop? Voilà, Boyard, en gros, tu dis de la merde, Boyard. Gabriel Cuzet, comment expliquez-vous que les féministes françaises soient si peu offensives sur ces thématiques, voire que certaines d'entre elles aient les yeux de Chimène pour les islamistes? Parmi les 113 signataires de la tribune au printemps dernier pour le Burkini, en mai, mais ce qui te plaît, figurez Caroline De Haas et Aline Coffin. Ah, Alice Coffin. Ah ouais, putain. Ah ouais, elles sont balèzes, elles, je ne me rappelais pas de ça. Les féministes françaises sont des féministes de salon. Des bourgeoises raffinées touchées par l'ennui. On peut leur suggérer un petit séjour en Iran, en Algérie ou tout à côté, dans les territoires perdus de la République ou à Molenbeek. Elles verront de leurs yeux ce que leurs consœurs, si elles sont encore vivantes, endurent au quotidien. Mais le risque est qu'elles soient touchées par le syndrome de Stockholm et courent rejoindre Daesh. Alors attention, je vais faire mon gauchiste là. Mais c'est juste que c'est complètement hallucinant. Donc, nous à Montpellier, on a vu des petites filles, j'ai vu des petites filles de 8 ans voilées. Et bien voilé, hein. Mais pas tout le temps. Ça, c'est a priori, je pense que c'est aussi quand il y a des fêtes et tout. Par contre, des jeunes filles de 12
je dirais même 11 ans, entre 11 et 14 ans, j'en ai vu des dizaines, mais des dizaines et des dizaines. Et c'est vraiment un crève-cœur parce que, bon, les pauvres, quoi, déjà, parce qu'elles sont jeunes et en théorie innocentes, hein, elles ont certainement été formatées, voilà. Mais ce qui est dur, c'est de se dire que dans notre pays de liberté, soi-disant, hein, on a réussi à faire en sorte que des femmes et des jeunes filles, enfin des jeunes filles, veuillent se voiler, quoi. Tellement, bande de fistules de merde, pardon, de gauchistes, là, qui avaient détruit, en fait, l'assimilation et aussi avec l'immigration massive, on a empêché le fait que jamais elles pensent à ça, quoi. C'est quand même un truc de fou, quoi. Franchement, quand je vois ça à Montpellier, je suis complètement atterré et j'ai envie de tout casser, quoi. Et bon, sans parler, hein, du fait qu'il y a des profs qui ont leur tête qui roule sur le sol et tout ça, mais ça, c'est un peu ultime, mais attention, c'est trop fait, ça. Mais bon, c'est vraiment très bizarre de se dire ça, que des jeunes filles qui ont la liberté d'être en France puissent arriver à se dire de mettre le voile. Alors, il y a une pression pour beaucoup dans certains endroits, mais moi, je parle de quartier un peu bourge. Pas, moi, je suis pas dans un quartier bourge, mais on est quand même pas très loin du centre-ville. Et voilà, il y en a plein partout, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Maintenant, c'est sûr que c'est partout. Et donc, les jeunes filles, elles le font. Je pense qu'il y en a pas mal qui le font par volonté. Et qu'on ait réussi à faire ça, c'est assez grandiose, quand même. Comment je ne sais pas si on aurait pu détruire plus notre pays en termes comment dire, d'idéologie. Parce qu'il y en a plein qui sont contre la République, contre le. Comment dire, ce que là où on en est, que la République c'est ce qui a tué le roi, qui a détruit le catholicisme, machin, tous ces trucs-là qui étaient si on a détruit le patriarcat et tout ça, on a détruit la famille, le divorce, enfin tout, on en est à des trucs. Maintenant l'égalité homme-femme est en train d'exploser. Bon, c'est parce qu'on y était arrivé à l'égalité homme-femme, hein, pour moi dans les années 80-90, il n'y avait plus besoin d'aller plus loin, quoi, il fallait continuer dans ce respect. Donc on est arrivé à tout détruire comme ça, ouais. Et donc, en fait, on aurait dû quand même garder une certaine ligne, mais on a réussi même à redonner envie à des. Même ça se passe pas mal chez les catholiques, je crois. À, voilà, se retourner contre ce que c'est la France, ce qu'elle propose pour voilà, embrasser une autre culture. Ne pas se sentir. Ne pas avoir envie de s'attacher à ce pays, quoi. Franchement, c'est balèze, balèze. C'est un peu comme. Ça n'a rien à voir, mais quand Charles Gave, il dit on a réussi à faire que ce pays, la France, elle importe de la nourriture parce qu'elle n'a plus assez de nourriture. Ça, c'est un peu le. Je pense que ça montre bien à quel point on a réussi à détruire le pays, quoi. Bon, continuons, parce que je m'étale comme d'habitude. Alors, Gabriel Cluzel, pendant que l'apprentissage de l'arabe fait son entrée à l'école primaire française, et ouais, vous n'avez pas envie, hein, mais c'est comme ça. Hein. Celui de l'anglais, propre à supplanter le français, arrive en Algérie. Pourtant, les Algériens semblent toujours aussi friands de visa français. Pour comprendre l'Algérie, les lectures du premier et du deuxième degré ne suffisent pas. Il faut aller au degré 7 et plus. Pour résumer, donc ça c'est Boulen Sansal, hein, pour résumer, il faut savoir que les Algériens du premier collège sont encore colonisés. La France, c'est leur maman. Ils veulent qu'elle les traite comme ses enfants chéris. Ah, mon fils, la vérité, mon fils. Bon, c'est pas vraiment cet accent-là, mais c'est pas grave, c'est un peu pareil. Recevoir d'elle des cadeaux, des câlins, des dispenses, des distinctions prestigieuses, des sièges, des sinécures. Certains rêvent de recevoir le même extraordinaire traitement que la France impériale a offert à l'émir Abdelkader. Et là, elle l'a reconnu comme héros et grand ami de la France. Elle lui a offert tout ce qu'elle avait de médailles, de titres et de pensions exceptionnelles qui ont été reconduites pour ses descendants jusque dans les années 2000. Et plus que tout, elle l'a écrasé de respect, d'admiration et d'amour. Ah, c'est beau, c'est. Oui, putain. S'il sort des phrases comme ça en parlant, putain, il est balèze. Son action en faveur des chrétiens persécutés en Syrie lui a valu les plus grandes reconnaissances du monde entier. Entendez, occidental. Voilà de quoi rêvent nos petits capitaines, nos brillants marchands à la sauvette et nos futurs demandeurs d'asile. Ne l'ayant pas obtenu, ni par les sourires, ni par la corruption, il s'attaque à ce qui fait la France. Sa langue, sa culture, sa laïcité, son art incomparable de la liberté. Finalement, perdre la guerre et être colonisé est nettement plus profitable que gagner la guerre et être obligé de quémander à genoux des visas et des bourses pour ses enfants, ainsi que l'immunité diplomatique pour qu'ils puissent s'amuser comme au bled. Macron n'a pas compris tout ça. Dans son analyse, il a été jusqu'au degré 5. Ce n'est pas suffisant. Il a surtout dit que c'était un crime contre l'humanité, la colonisation, va te la mettre au fond, saloperie de Macron. Et sympa sa petite analyse quand même à ce monsieur. Alors, Gabriel Cluzel, lorsque Emmanuel Macron
Il est arrivé à Alger, on a dit qu'il comptait qu'il comptait user des visas comme monnaie d'échange pour le gaz. N'est-ce pas un peu paradoxal? Là aussi, de constater que l'Algérie conspue volontiers la France et l'accuse de tous les maux, et en même temps, on n'a rien de plus pressé que d'y envoyer ses enfants. Alors, Bolensensal. Au degré 5 de l'analyse, Macron n'avait pas tous les éléments pour bien jouer à la pleurniche avec les faux anciens combattants d'Alger. Il s'est proprement fait rouler dans la farine. Ici, on a compris avant lui qu'il ne venait pas pour offrir ce qui était attendu de lui, de la repentance, de l'allégeance, des réparations, mais pour avoir la promesse que la France ne serait pas oubliée cet hiver dans le plan de partage du gaz de Hassi Messaoud et Hassi Ermel, découvert par la France en 1956, donc tout le gaz et le pétrole. Il sera obligé maintenant de venir à Alger avec des cadeaux toutes les semaines, jusqu'à la défaite de l'Ukraine ou de la Russie ou du monde. Son deuxième mandat est mal parti. Il se terminera dans le bruit et la fureur, cher à Mélenchon. Je lui proposerai bien une solution, mais ces choses ne s'écrivent pas. Ah, c'est intéressant. Est-ce que Manuel Macron il va rentrer en contact avec Bolensensal? Ah, ça serait une bonne idée. En fait, là, de toute façon, Macron, il fait un peu ce que dit Zemmour de temps en temps. Peut-être que parce que Zemmour, il en a parlé tout le long hein, de la campagne hein, de Bolensensal. Mais c'est comme c'était un. Un sale juif, parce que tout le monde, voilà, l'aime pas Zemmour juste parce que c'est un juif. Hein. C'est pour ça que je sais que tout le monde l'aime pas, parce que nous, les fascistes, en fait, c'est parce qu'il était juif qu'on l'aimait. Parce que, en fait, les nazis, c'est les 93 autres pourcents qui n'ont pas voté pour lui. C'est sûr et certain. Parce que nous, on est des nazis, et en plus, on aime un juif, quoi. On l'adore, quoi. C'est un dieu pour nous. Je dis n'importe quoi. Alors, Gabriel Cluzet. Récemment, sur Sud Radio, vous avez fait remarquer qu'il y avait actuellement 3000 mosquées en France contre 10 autrefois. Il n'est pas certain que les Français aient envie de leur pays, que leur pays se couvre d'un vert manteau de mosquée, comme jadis, un blanc manteau d'église, pour reprendre les mots du moine Glaber, mais n'est-ce pas inéluctable? Le problème n'est-il pas plus migratoire que religieux? Ou dit autrement, n'est-il pas vain de tenter de contrer l'islamisme si en amont on ne fait rien pour contenir les arrivées massives sur notre sol de population provenance de pays musulmans? C'est sûr, ça c'est sûr et certain que ce qu'elle a dit là comme question, c'est ça qui est le plus gros problème, c'est l'immigration, c'est pas l'islam d'abord. L'islam, on verra après quand on aura arrêté l'immigration. Il y aura d'autres priorités, je pense, quand on aura arrêté l'immigration, parce que sa priorité, il y aura d'autres trucs plutôt. Au lieu de s'attaquer à l'islam, enfin si, il faut la contrer, mais il faut pousser à la création là. D'ailleurs, je suis allé voir Vaincre ou mourir hier soir et je le conseille. J'en parlerai demain. L'illusion est là. Croire que le problème est surtout migratoire. Ah, d'accord. Bon, bah, il me remballe tout de suite, Bolensensal, après que j'ai exclu. Un flux de cette intensité, comme on l'observe en Europe, est un immense problème et il n'y a rien à voir avec la religion. Il y a à voir avec la délinquance, l'insécurité, l'économie, le social, le politique. Le phénomène religieux ne lui doit pas grand-chose. La bombe islamique a explosé dans des pays où les immigrés musulmans se comptaient sur les doigts de la main. Pays scandinaves. Dans des pays où les musulmans présents n'étaient aucunement contraints dans l'exercice de leur culte. Grande-Bretagne, Allemagne, USA, Canada. Ah ouais, putain. Il explosait dans les pays musulmans où l'islam est déjà roi en sa demeure, où la charia est appliquée à la lettre, et où il n'y a jamais eu de phénomène migratoire bouleversant. Ok. Putain, comme il remballe là. La bombe islamique est une bombe à retardement qui trouve son origine dans l'abolition du califat en 1924. Donc le califat turc, je crois. Je sais pas, je dis pas de merde. Je dis de la merde là, je crois. L'islam ne se conçoit pas sans le calife, qui est le représentant vivant du prophète sur terre. Comme le christianisme ne se conçoit pas sans Saint-Pierre. Ce blasphème suprême a provoqué une colère inextinguible, accentuée par la colonisation de toutes les terres d'islam par les Européens. De là sont nés des mouvements politiques et religieux qui ont conduit aux luttes d'indépendance pour libérer les terres d'islam occupées par les chrétiens, au rétablissement de l'arabe, langue sacrée du Coran. Bonjour Mathieu, bienvenue. Ah mais c'est super intéressant ce qu'il dit là, Roger, là. Ah, c'est pour ça, parce que cette enquête est très importante. Bonjour, bonjour, c'est cool qu'il y ait du monde avec moi le matin. C'est la première fois. Ah, oui, ça fait un peu clochard quand je dis ça, mais bon, c'est comme ça. La bombe islamique est une bombe à retardement qui trouve son origine dans l'abolition du califat en 1924. L'islam ne se conçoit pas sans le calife, qui est le représentant vivant du prophète sur terre. Comme le christianisme ne se conçoit pas sans Saint-Pierre. Ce blasphème suprême a provoqué une colère inextinguible, accentuée par la colonisation de toutes les terres d'islam par les Européens. De là sont nés des mouvements politiques et religieux qui ont conduit aux luttes d'indépendance pour libérer les terres d'islam occupées par les chrétiens, au rétablissement de l'arabe, la langue sacrée du Coran, et au retour à l'islam des origines et la reprise de la mission prophétique première de l'islam, islamiser le monde. Sans calife,
sans une institution genre Vatican, les musulmans font chacun à sa manière, utilisant comme en économie ce qui fait son avantage comparatif. La prédication, la politique, la science, l'économie, l'agiprop, le djihad, le terrorisme, la démocratie, l'entrisme, etc. Tous ces moyens sont utilisés en Europe, région permissive par excellence. Ils participent pour l'essentiel les Européens eux-mêmes par laxisme, par ignorance, par wokisme, par intérêt. Mais c'est énorme ça. Cette vision-là, je l'avais pas du tout, quoi. Ah, c'est trop bien. La bombe islamique. Pas mal, pas mal. Alors, Gabriel Cluzel, les dernières élections présidentielles et législatives ont montré, à l'endroit de ces sujets, une prise de conscience d'une petite moitié du corps électoral. Osons la question. Pour vous, est-il déjà trop tard? L'hydre islamiste est-elle déjà inexorablement implantée dans notre pays par un pays où une solution politique est-elle encore possible? C'est ouf, hein, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien ce qu'il dit. Boualem Sénestal, il est trop stylé, ce mec. Franchement, c'est. Oui, je sais, c'est encore un. Mais c'est pas un immigré, lui. Il vit pas en France. Hein. Il vit en Algérie. C'est important de voir aussi un peu les Algériens. Là, par exemple, il y a un Marocain que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est bien stylé. Je l'ai découvert grâce à Bernard Lugan. Parce que Bernard Lugan, détesté dans notre pays, jamais dans les médias, à part sur Sud Radio, vite fait. Il est en fait dans hyper ultra méga respecté en Afrique et il est invité par des gens et il était invité par Achachi, il s'appelle. Je sais plus comment c'est son prénom. Je crois que c'est Ra... Non, c'est pas Rachid, je sais plus. Achachi, donc, qui a fait sa chaîne. Bon, ce mec est très très intéressant. J'ai écouté quelques vidéos. Il fait une émission là, qui est en train de monter au Maroc. Il est bien stylé ce gars. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il était poteau avec Youssef Indy qui lui est. Bon, voilà. Ah, bon, voilà. Je sais pas, j'ai essayé d'écouter certaines de ses vidéos, je le trouve pas très honnête en fait dans sa façon de parler, soi-disant avec ses études. Alors que bon, voilà, c'est pour ça, mais Hachachi en tout cas, il est plutôt stylé. Donc ces deux-là sont très intéressants. Allez, je continue. C'est où que j'en étais là? Je suis trop descendu là. Il participe à la. Alors, Gabriel Cluzel. Les dernières élections présidentielles et législatives ont montré, à l'endroit de ces sujets, une prise de conscience d'une petite moitié du corps électoral. Posons la question. Pour vous, est-il déjà trop tard? Ah oui, j'avais déjà posé la question. L'hydre islamiste est-elle déjà inexorablement implantée dans notre pays, où une solution politique est encore possible? Selon moi, l'islamisme n'a pas d'avenir, car il est plus idéologique que religieux. Trois raisons à cela. Les musulmans, dans leur immense majorité, le refusent et donc ils ne le serviront jamais, sinon marginalement. Les islamistes sont eux-mêmes en train d'évoluer. Ils préfèrent la politique, les élections, l'entrisme, le business. Deuxième raison, la démocratie française s'est montrée plutôt résiliente, pour utiliser un mot à la mode. Elle passe peu à peu de la résistance passive à la résistance active. Oui, ouais, j'ai pas trop vu ça, mais bon. Peut-être que c'est qu'il espère avoir un entretien avec Macron pour agir. Je rappelle qu'il va y avoir la loi sur l'immigration bientôt, là. Mais comme l'a dit Boualem Sessal, c'est pas lié. Mais bien sûr, c'est pas lié. Troisième raison, le souverainisme reprend du poil de la bête. Les Français en ont marre de leurs mauviettes, qui n'ont pas le courage de décider en toute souveraineté ceux qui ont et qui ont été élus pour ça. Donc ça, c'est depuis 2005, bien sûr. En revanche, l'islam a gagné et ne cessera pas de gagner toujours plus. Il est définitivement implanté en France et en Europe, ça c'est sûr. À la fois comme islam de France et d'Europe, protégé par la loi de la République et de la Commission, et comme islam en France, protégé par la Oumma mondiale et les États musulmans qui maintenant disposent de tous les moyens pour châtier les contrevenants. De quoi sera fait cet islam? À mon avis, il sera salafiste, possiblement dangereux si on lui refuse la reconnaissance de l'islam comme religion d'État, l'annulation des lois en faveur de l'homosexualité et de l'adoption, etc. Donc voilà, on arrive au bout. Donc ça, ce truc, c'est sûr que c'est très dur à admettre, le fait que l'islam est vraiment très implanté en Europe, et notamment en France. Mais ça va être le cas. Par contre, ça, parce que hier, il y a Remplacement TV avec un autre gars qui me disait, mais pourquoi vous voulez les renvoyer, les gars, et vous voulez pas les tuer Mais les gars, les criminels, hein, pas les musulmans, les criminels. Bah, parce que bon, la peine de mort, elle n'existe plus en France. Et bon, c'est pas ça n'existe plus, quoi, c'est tout, quoi. Les renvoyer direct, ça serait bien. Mais par rapport à l'islam, oui, ça va être présent. Mais en tout cas, le truc qu'on espère tous, en gros, c'est que d'un coup, l'État pose ses couilles, interdise tout un tas de trucs de l'islam en France, arrête la construction de mosquées, arrête de faire venir des gens, voilà, et dégage tous les criminels en fait du pays qui ne devraient pas être là. Et ensuite de gérer ça.
Voilà. Et deux, donc comme d'imposer en fait une logique assez dure sur l'islam, ce qu'on n'a pas fait, hein, et qu'on a fait pour les catholiques et qu'on a fait pour les juifs. Hein. Donc c'est ça le truc, hein, qui est très important toujours à redire. Ça n'est pas juste de l'islamophobie, c'est juste que c'est ce qu'il faut, même si bon, bah, j'aime pas l'islam, quoi. Moi j'aime pas les religions de façon, de manière générale, j'aime pas les dogmes. Plutôt c'est pas les religions, c'est pas que j'aime pas les religions, c'est que j'aime pas les dogmes. Suivi bêtement. Parce qu'après, il peut y avoir des choses belles dans les religions quand même. Mais donc imposer un cadre très fort à l'islam, et donc en faisant ça, il y a beaucoup de gens qui vont partir en fait, parce qu'ils ne pourront pas plus pratiquer leur islam, en théorie. Donc déjà, voilà, c'est enclencher ça dans les 10 prochaines années, c'est très important, et on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Donc cet article était passionnant, il y a des tas de vidéos de Walen Zensala à aller voir, surtout les dernières là. C'est assez exceptionnel. Franchement, il parle bien, voilà, il explique bien les choses, il connaît bien la problématique. Et donc c'est passionnant. Donc on va passer à l'article suivant. Je vais juste aller boire un petit coup. J'arrive, je reviens, 2 secondes. Ah, donc on va continuer le retour. Continuer les articles. C'est pas grave, genre. Le réseau Énard, financé par l'UE et George Soros, accorde 135 000 euros à 15 organisations antiracistes, dont de nombreuses proches des frères musulmans. Ah, ça va être intéressant, ça. Et après, on ira des gros entretiens. C'est fou, quoi. Comment on se fait pénétrationner, quoi. C'est quand même assez dingue cette histoire de l'Europe qui pousse les frères musulmans là. C'est trop ouf quoi, c'est trop trop bizarre. Bon, en tout cas, c'est cool. Il y a un peu des gens ce matin. Je me suis pas tout seul, c'est trop bien. Bonjour, bonjour encore à tous et bonjour à ceux qui regarderont la vidéo plus tard. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de soutenir les médias que je regarde, bien sûr. Les médias alternatifs. Bon, c'est vrai que l'article que je vais lire après, c'est le Figaro. Mais bon, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de regarder les médias classiques. C'est juste qu'il faut regarder aussi les autres médias. Les médias classiques. De toute façon, si vous regardez tous ceux qui regardent F de Souche, à chaque fois, les articles que F de Souche, c'est pas lui qui transmet, c'est pas lui qui les écrit. Il récupère beaucoup d'articles parce qu'il fait sa revue de presse en fait. Il récupère du Parisien, du Figaro, du Monde et tout ça. Donc ça devient bien des autres médias aussi. Des médias dits classiques. Ok, donc alors, comme je disais, on va continuer à regarder des articles. Alors, le réseau Énard, financé par l'UE et George Soros, accorde 135 000 euros à 15 organisations antiracistes, dont de nombreuses proches frères des musulmans. CCIE, ex-CCIF, FEMISO, LALAB, coexister énorme. Empowerment and Resilience Fund, our nation. Now we speak English very well. Hein, notre problème. On arrive, on va voir les messieurs de la Commission européenne, ils sont tout gentils, ils veulent tout faire des bisous tout le temps.
On arrive, on leur dit, on va dans le Parlement européen, l'Europe, hein, les christianismes et tout. On arrive, nous, on est en voile. Et on est voilé, la femme, elle est voilée, nous, on n'est pas contents, et ça passe, pas de problème. Ils sont gentils, les Européens, ils aiment bien se faire mettre des quenelles. C'est pas mal, quand même. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Tintin. Alors, fonds pour l'autonomisation et la résilience de Ennard. Alors, Ennard accorde plus de 30... plus de 135 000 euros à 15 organisations antiracistes avec le soutien de la fondation Ennard. Ennard a émis le deuxième tour de ses subventions dans le cadre du fonds pour l'autonomisation et la résilience dans le but de soutenir les organisations antiracistes et de développer un réseau antiraciste dynamique et fort à travers l'Europe. La censure par l'intermédiaire du fonds par l'intermédiaire du fonds, mais quel fonds? Cadre du fonds. Ah oui, d'accord, c'est le truc. Ouais. Ennard a accordé un total de 135 404 euros pour soutenir 15 organisations membres du réseau qui servent les communautés racialisées, pardon, en Europe, œuvrant pour des sociétés plus inclusives pour tous. Le fonds, qui fait partie intégrante du programme de renforcement du mouvement antiraciste de la Fondation Ennard, a été rendu possible grâce au soutien de donateurs externes. Ah, c'est bizarre. Mais qui sont ces donateurs externes? Ils fournissent un soutien financier direct aux nouvelles initiatives ainsi que les coûts de fonctionnement permanent des bénéficiaires. Son principe directeur est de renforcer la capacité de la société civile antiraciste de base et les efforts de développement du réseau paneuropéen d'Ennard. Les projets financiers seront mis en œuvre tout au long de l'année à venir. Découvrez les lauréats du fonds, donc Apedo, Africa Solidarity Center, Irlande. EPADO, Roumanie, soutien aux réfugiés racisés d'Ukraine. Africa Solidarity Centre, soutien en santé mentale pour les personnes d'ascendance africaine, sensibilisation dans les zones en non métropolitaine. Vous vous rendez compte que la France, elle donne plein de pognon à hein, l'Europe. Hein. Plein, plein, plein de pognon. Et donc on soutient tout ça en fait. C'est trop bien. Hein. Collectif contre l'islamophobie en Europe, Belgique, outil pédagogique pour les jeunes face à l'islamophobie. Centre for Migration, Gender and Justice, Allemagne, renforcement des capacités organisationnelles et planification stratégique. C'est un truc de fou. Ouais, tout en anglais l'article, ouais, d'accord, donc il a retraduit ça en fait. Eh ben c'est pas c'est fameux tout ça, non? On continue à donner du pognon pour se faire grand remplacer. Aide. Ah c'est bon, il faudrait un peu plus de détails sur... Sur les... Voilà, l'ALAB, association racialiste. Tiens, on va voir ça. L'ALAB, association racialiste musulmane invitée au Sénat à une conférence du CFSCM en présence de Nathalie Goulet. Ok, donc une femme voilée au Sénat, c'est pas magnifique. Pancarte de l'ELAB, remballe ton féminisme blanc. Ah, la lab, pas mal, hein. On voit une belle image avec une jeune afro qui a une petite pancarte, remballe ton féminisme blanc. Au Sénat, quoi. Putain, c'est vraiment c'est l'entrisme à fond quoi. Ok, bon, passons à l'article suivant. Excellent. Alors, il y a eu dans le chat une petite personne qui est venue. Bah, après quoi, t'es pas capable de faire face, si t'es toujours là, t'es pas capable de faire ça. Il est venu, il a juste dit ah ok facho, bye. Ah, c'est dur de faire face à la réalité. Je suis pas facho, hein, je lis. Hein.
Ah bah je sais pas moi s'ils sont racistes ou pas là là-bas. Là je fais une enquête et je regarde les différentes donations en fait à l'Europe. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Moi je lis juste qu'il y a eu plein, il y a l'Europe qui donne du pognon à plein de trucs antiracistes là pour nous grand remplacer tout le temps. Voilà, c'est tout. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Pancarte de l'Alab. C'est vrai que là, j'ai pas trop de détails. J'aurais bien aimé beaucoup plus rentrer en détail sur ces différentes associations. On verra bien si j'ai plus d'informations au fur et à mesure dans les différents articles que j'ai trouvés. Alors, c'est quoi ça? Casse-toi, toi. Je veux pas te. Non, c'est pas grave. Alors. Malgré la dissolution, le collectif contre l'islamophobie veut peser sur les législatives. Donc ça, c'était un article qui est un peu plus vieux quand même, le 25/05/2022. Donc ça, c'est quoi ça? Alors, les législatives françaises. Pourquoi interpeller les élus et les candidats? Les analyses de la montée de l'islamophobie en Europe ont montré que la France, avec l'Autriche, est un pays où se joue aujourd'hui une dérive sectaire et autoritaire, notamment dans la mise en œuvre d'une réglementation portant atteinte aux libertés publiques. De ce point de vue, la réélection d'Emmanuel Macron fait craindre la poursuite de cette politique dans la mesure où il a été celui qui, en 5 ans, a mené jusqu'au bout la logique de l'islamophobie. C'est énorme. De l'islamophobie d'État au point de faire adopter une loi d'extrême droite, la loi dite de contre les séparatismes. Non mais faut arrêter de se plaindre là, faut arrêter de se foutre de la gueule, il s'est jamais rien passé contre l'islam, arrêtez de dire n'importe quoi, putain. Il faut aller voir les lois qui ont été faites pour le catholicisme et pour le judaïsme. C'est une nouvelle religion qu'on n'a jamais maîtrisée en France, c'est tout. C'est trop drôle, quoi. Macron d'extrême droite. Quelle blague. Cette loi dénoncée par les grandes organisations nationales françaises et internationales comme une loi qui porte atteinte aux libertés fondamentales est en réalité l'aboutissement de politiques successives qui ont construit les musulmans comme un problème de société. Et bien sûr, c'est le sentiment là, c'est qu'un sentiment. Législative française. Donc ça, c'était un communiqué. Je vais finir de lire. Je crois que c'est le communiqué du. Je dise pas de conneries, du CCIF. Qu'avait été dissous. Le site internet du CCIE propose d'interpeller les candidats aux élections. Capture d'écran, voilà. CCIE qui a remplacé le CCIF qui avait été interdit en France. Donc on continue de lire pour voir. Le CCIE, bien qu'il soit une organisation apolitique, encourage le vote à l'engagement pour ses droits. Donc rappelons que 80% des musulmans ont voté pour Mélenchon. 70, 75, je crois, entre 70 et 80%. Donc c'est pas normal, quoi. Ça montre bien l'entrée. C'est même quand vous regardez les tableaux, en fait, toutes les autres religions, c'est 30% Marine, 30% Macron, 30% Mélenchon. Voilà. C'est juste, c'est la masse, quoi. Il y a un problème avec la masse, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Non, comme un problème de société. Le CCIE, bien qu'il soit une organisation apolitique, encourage le vote à l'engagement des droits. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition cet outil afin d'être informé sur la nature des candidats qui se présentent dans votre circonscription. Il permet également de les interpeller sur leurs déclarations ou leurs positions au sujet des discriminations en général et de l'islamophobie en particulier. C'est les stats. C'est pas l'INSEE, je crois que c'était. C'était quoi? C'était le ministère de l'Intérieur, je crois. Stat vote élection présidentielle. Lien de par religion. C'est vrai que là j'ai dit ça, j'ai pas l'article, mais bon c'est facile à retrouver, hein. Il faut. Je sais plus qui c'est qui avait fait ces stats-là, putain. C'est quoi là? Ouais, ça va être dur de retrouver comme ça d'un coup. Alors attends, là c'est quoi? C'est les sources. Source enquête sortie des urnes People 2022, Roubaix, premier tour. Mais non, mais là c'est pas Roubaix, on s'en fout de Roubaix, putain, c'est de manière générale. Ouais, bon, je retrouverai et puis je remontrerai ce truc-là parce que ça fait. Je l'avais mis de côté, mais en gros c'était assez fou quoi. C'est pas une question de stat ethnique là, c'est par rapport à la religion.
Bah si, ils se font pas taper dessus. C'est ceux qui disent n'importe quoi. Ceux qui sont... y a plein de musulmans qui sont assimilés et qui sont français, vraiment. Et qui... comment dire? Qui savent que la France est en train de changer de visage. Et non, c'est des sondages, Roger, putain, tu sais pas comment ça fonctionne les sondages à la sortie des élections. Enfin bon, c'est pas grave. Ce qu'il y avait tout le temps avant, quoi. Et donc en fait, ils savent que la France est en train de changer complètement de visage, qu'on va devenir... en gros, parce que c'est vrai que le grand remplacement, c'est pas forcément le bon mot. C'est le truc qui est en train de se passer, c'est ce qu'avait dit Hollande, c'est la partition. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand même, les Françaises continuent à faire... Les Français de souche, qu'on va dire, continuent à faire des enfants. Mais ils vont se séparer de plus en plus, puisqu'en fait, il y a plein d'endroits où on ne peut pas vivre à la française. Donc j'imagine que vous avez peut-être pas vécu ça, mais moi je connais pas mal de gens qui ont vécu dans les cités, et donc ils sont partis. Il y a plein de blancs, tous les blancs, tout même, voire même les descendants d'immigrés portugais, italiens et tout ça, polonais, qui partent des cités. Donc il ne reste plus que des Africains, ou des gens d'origine africaine. Et donc en fait, ça change complètement de visage. Ce qui est comme ça, quoi, c'est des phénomènes de population. Et donc en fait, ce n'est plus vraiment la France, quoi. C'est comme ça. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Ouais. Et alors? Et t'es quoi? T'es blanc? T'es bien? Bah peut-être que tu t'es islamisé, j'en sais rien. Ou alors tu vis. Ah, t'as dire tu vis. J'ai grandi dans une cité. Ah oui. Tu as grandi en cité il y a combien de temps? Parce que par exemple, ma femme, elle a vécu en cité, c'était jusque dans les années 95. Et c'était le tout début, tu vois. Il y avait déjà, par exemple, sa mère, elle s'était faite traiter de sale française et qu'elle devait retourner dans son pays. Mais c'était le début. Elle avait quand même beaucoup d'amis d'origine, quoi, puisque il y avait quand même encore un mélange. Puis ça dépend de quelle cité on parle. Hein. Moi, je parle des grandes cités aussi, qui sont dans les périphéries des métropoles, quoi. Maintenant, c'est plus du tout la même chose, quoi. C'est bien, bien pire, quoi. Tout le monde s'est séparé. Le truc, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est une séparation, en fait, des gens. Parce qu'en gros, pour ça que je voulais dire, le grand remplacement, c'est peut-être pas la meilleure expression. Parce qu'il y a encore des Français de souche. On est encore à peu près 50 millions sur les 68 millions. Bon, même si les Français de souche ont moins d'enfants par rapport à ceux qui arrivent. Mais ceux qui arrivent, au final, après, font moins d'enfants. Donc ça pourra potentiellement s'équilibrer si on arrête de faire venir des centaines de milliers de personnes. Ce qui est très compliqué. Mais donc c'est pour ça qu'en fait, si il y a une civilisation qui se met en parallèle, en fait, ça va être très compliqué de vivre ensemble. Et donc, il va pas y avoir, c'est vrai, de grands remplacements sur des zones. Il va y avoir du grand remplacement. Par exemple, à Marseille, c'est complètement fou. Enfin, moi, je suis provençal, donc je connais bien la Provence, qui est après l'Île-de-France, enfin la région parisienne, on va dire, la zone la plus grand remplacée de France. C'est complètement fou, hein. Il suffit de regarder Marcel Pagnol, hein, et vous peut-être que vous comprendrez, vous pourrez faire peut-être plus face à ce qui est vrai, quoi. Les gens vont se séparer de plus en plus. Et donc en fait, c'est vrai que c'est la grande partition, si vous voulez. Si vous voulez pas entendre le grand remplacement. Mais en fait, il y a quand même grand remplacement, parce que au final, là, il y a les statistiques en fait des naissances qui montrent en fait que il y a 40% des enfants qui sont nés qui ont un parent d'origine immigrée, alors contre, je crois que c'était 10 ou 15%, voire moins que ça, dans les années 80, moins que 10%, je pense. Donc ça veut dire que dans 18 ans, enfin, les générations, en fait, elles auront tous une origine extra-européenne, ce qui n'était jamais le cas avant. Donc demandez-vous si vous aurez, puisque vous êtes certainement des gens qui sont contre la colonisation et tout ça, demandez-vous si, par exemple, en Algérie, 10 millions de Français, ça serait bien, quoi. Ah oui, bien sûr, ouais, j'étais pour Zemmour. Bah, je suis pour la droite souverainiste, quoi, en général. Et le tout début date des années 60. C'est un terme de fasciste, le grand remplacement. Je dirais que tu es un Zémourien, non? Moi, je suis né en Provence. Dans un petit village. Ok, donc je continue sur le CCIF, devenu le CCIE. Il est reconstitué en Belgique. Il est encore désormais pesé sur les élections législatives en France et alerte les candidats sur une normalisation des discours stigmatisants à l'encontre des musulmans. Sur la page d'accueil de son site internet, le collectif contre l'islamophobie en Europe, CCIE, propose désormais de remplir un rapide formulaire pour interpeller les élus et les candidats à l'occasion des élections législatives françaises. Rien que de très banal dans l'univers du lobbying. Des formulaires comme celui-ci, il en existe un nombre incalculable. Et les boîtes mail des députés sont inondées depuis longtemps déjà de ce genre de courriel envoyé automatiquement en grande quantité. Sauf que l'association Emetris n'existe théoriquement plus en France depuis le 2 décembre 2020. Et ouais, jour de la dissolution officielle du CCIF en Conseil des ministres.
Une décision avalisée depuis par le Conseil d'État, le ministre de l'Intérieur avait estimé, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, hein, qui est... Ah bah oui, tu perds ton temps si tu veux pas discuter, c'est sûr, mais bon. Ah, il est humoriste et tout, ok. Trop drôle. Moi, j'ai discuté avec des dizaines de personnes, hein, qui sont pas de mon camp, hein, même pas capables de débattre, c'est trop drôle, quoi. J'ai un mec en face de moi qui est certainement de votre camp ou quoi, machin, qui m'a dit un jour, Samuel Paty, c'est un fait divers. Donc si vous pensez que Samuel Paty, c'est un fait divers, c'est que vous avez un vrai problème dans votre tête, quoi. Allez lire là ce que j'ai lu. Ben oui, mais c'est pas grave, moi je fais juste. Je fais ma petite émission de radio pour transmettre les nouvelles. Allez voir ce que dit Bolen Sansal et peut-être que vous réfléchirez à deux fois avant de dire que Samuel Paty, c'est un fait divers. Que le collectif contre l'islamophobie ainsi que Baraka City protégeait avec constance une action de propagande islamiste. En réalité, dissous, le CCIF se reconstitue en Belgique, donc ouais, la Belgique, quoi. Catastrophe aussi. Les instances dirigeantes du CCIF avaient créé en un mois avant leur dissolution en France une association similaire mais à l'étranger. D'après les mentions légales, leur site internet est hébergé sur des serveurs suisses et le CCIE est une association sans but lucratif, ASBL belge, dont le siège légal est à Bruxelles. À Bruxelles. À sa création, le CCIE comptait au moins deux anciens membres du CCIF dans son conseil d'administration. S'il subsistait une ambiguïté, la présentation que le collectif donne de lui-même achève de le lever, de la lever. La naissance du CCIE est le symptôme d'une dérive sécuritaire en France qui a abouti à la dissolution de certaines structures associatives comme le CCIF. Ça, c'est ce qu'a dit le truc. La loi séparatiste, une loi d'extrême droite. C'est donc ce CCIF ressuscité qui propose désormais aux électeurs français de continuer à promouvoir auprès des futurs députés la thèse selon laquelle la France est en proie à une dérive islamophobe. C'est vrai que oui, c'est l'islamophobie, c'est interdit, c'est pas bien l'islamophobie, raciste, c'est raciste, les mecs, putain, les mecs de gauche, quoi, parce que ça me fait trop rire, quoi. Vous êtes des descendants de des bouffeurs de curés et vous mettez à genoux à sucer de l'islam, quoi, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ainsi, la loi, c'est confortant les principes républicains votés l'an passé, serait une loi d'extrême droite, car elle portait atteinte aux libertés fondamentales et constituerait l'aboutissement de politiques successives qui ont construit les musulmans comme un problème de société. Ne serait-ce pas... C'est quoi que j'ai dit? Ne serait-ce pas... l'immigration massive qui a créé ça et le fait qu'il y ait... qu'on ait fait venir environ 10 à 15 millions de personnes musulmanes ou d'origine musulmane, parce qu'après, avec la Oumma, c'est compliqué. C'est peut-être pas ça le problème, que, en fait, sans vraiment cadrer le truc, quoi, parce que peut-être qu'on aurait pu le faire, mais si au moins on aurait pu cadrer. On a mis 5 000 ans pour pouvoir cadrer la religion catholique, enfin 200 ans, et maintenant on se couche devant une autre religion. C'est parfait, c'est parfait. En quelques clics, l'internaute peut choisir en ligne sa circonscription sur la carte, puis envoyer au candidat aux élections législatives un courrier signé de son nom dans lequel il dénonce une normalisation du discours stigmatisant et un dévoiement des principes de laïcité. Ceci en tant que citoyen ou citoyenne fortement attachée à une république respectueuse de la diversité de ses citoyens. Sans qu'il soit fait nulle part mention dans le courrier de l'affiliation idéologique du CCIE, qui en est le rédacteur, et dont la proximité idéologique avec les frères musulmans a été maintes fois démontrée, notamment dans les enquêtes du Figaro. Le CCIE appartient à de vastes réseaux de financement qui permettent notamment à tout un écosystème d'associations sœurs d'être abondamment financé par les institutions européennes au titre de la recherche et de la prévention des discriminations. Donc notamment hein, le Qatar et tout ça qui finance, parce que là ils n'en parlent pas. On va voir ça peut-être après avec les différents entretiens qu'on va lire. Les députés destinataires de ce courrier sont priés d'y répondre et de clarifier leur position au sujet de l'usage qui est fait du principe de laïcité pour freiner l'essor de l'islamisme en France. La laïcité ne pourra jamais freiner l'essor de l'islamisme en France. La laïcité, c'est une conséquence. La loi de 1905, moi que j'adore, il y a tout sur LCP, ils avaient fait une vidéo où ils avaient refait la loi de 1905, comment elle avait été votée et tout, avec Aristide Briand et tout ça, c'est passionnant. Mais la loi de la laïcité est une conséquence en fait de l'écrasement de la religion catholique à partir de 1789, quoi. C'est tout, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la laïcité qui a maîtrisé ou la loi de 1905 qui a maîtrisé le catholicisme. C'est les 100 ans après, après le massacre de la Révolution,
qui a abouti à une république où on est libre et maintenant on se couche quoi comme des vieilles putes. C'est pas par la laïcité qu'on va résoudre le problème, c'est sûr et certain. Alors, les députés destinataires de ce courrier sont priés d'y répondre et de clarifier leur position au sujet de l'usage qui est fait du principe de laïcité pour freiner l'essor de l'islamisme en France. Le CCU demande à ses sympathisants de lui adresser cette réponse pour collecter des renseignements sur les positions des candidats. Le tout est présenté dans une vidéo postée le 19 mai dans laquelle le collectif décrit une classe politique haineuse à l'égard des musulmans et prête à voter contre eux des lois iniques. Les juristes du CCIE doivent composer avec ce paysage juridique en décomposition, explique la voix off. Ces 5 dernières années, en France, plusieurs Donc lois ça, c'est portent. une vidéo du CCIE, donc l'association. Donc ils vont nous dire qu'on est des fils de pute. Portant atteinte à la liberté de conscience ont été proposées. C'est quoi qui est faux? Mais nous, on n'a pas décidé de les faire venir, hein, le peuple français. Hein. Il n'y aurait jamais eu de loi, ça n'a jamais été voté, c'est un peu comme l'Union européenne, quoi. On a voté, par contre là on nous avait demandé, on a voté. C'est quoi qui est faux? Non, il n'y a jamais eu de référendum pour ça. Hein. C'est sûr que si tu considères que les élections présidentielles, c'est un référendum pour ça, je peux te dire que jamais ils auraient accepté. Hein. Je veux savoir ce qui est faux là. Je comprends pas ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est sur la laïcité, ce que je disais par rapport qu'elle a pas du tout écrasé le. Que vous avez. Que c'est ça qui est faux? Bah, va, renseigne-toi, tu verras que ce que je te dis, c'est pas faux. Alors, bon, j'ai pas envie d'écouter la vidéo. Le CCU montre ainsi qu'il reste vigilant au débat public et à la vie politique française, analyse la chercheuse Florence Bergot-Balaker, chargée de recherche au CNRS. C'est une forme de mise en garde. L'anthropologue fait également observer que le logo du CCIE est dessiné de façon à rappeler l'ancien CCIF, puisque la barre inférieure du E est assombrie de façon à dessiner en réalité un F. Ah, waouh, c'est malinois. C'est une provocation de leur part. Il adresse aussi un défi aux autorités en poursuivant leur activité depuis l'étranger. Donc voilà, on a un peu plus d'informations. La France avait besoin de main-d'œuvre dans les années 50. Pas du tout dans les années 50, hein, c'est plutôt 58, 55, 58, 60, comme on a eu besoin de main-d'œuvre dans les années 1920. Pas de problème, hein, tu sais, mais ça change pas. Hein, tu sais, c'est les accords en fait avec l'Algérie qui n'ont jamais été appliqués via Giscard d'Estaing. Et ça me fait toujours rire quand j'entends oui, on a reconstruit la France, mort de rire. Oui, c'est vrai qu'à partir de 55-58, où ils sont arrivés, en fait, de 45 à 58, en fait, les Français, tu sais, ils étaient là dans les champs de ruines, ils étaient là, ils attendaient. Ils attendaient que l'immigration arrive. Oui, l'immigration de travail, tu sais, c'est normal, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et il y a des tas d'endroits, en fait, de cités où il y avait des immigrés autres que des immigrés algériens, tout ça, qui sont détruites maintenant, où ça se passait, ça s'est bien passé au fur et à mesure. C'est pas ça le problème. Oui, la colonisation faite par les gauchistes, par Jules Ferry. Alors, ailleurs sur son site, le CCIE soutient encore que la politique sécuritaire de la France a été qualifiée de persécution au regard du droit international, citant en réalité le rapport d'une ONG britannique, CAGE, créée au moment de la guerre en Irak pour protester contre la politique américaine de répression du terrorisme islamiste dans le monde en 2017. Son directeur international avait été condamné par la justice anglaise pour avoir fait obstruction à une enquête de police à son retour au Qatar. Et là, Belgique, une association soupçonnée de relancer le CCIF. Okay. Ouais, donc c'est intéressant là, au moins on aura pu réapprofondir sur le CCIF. Donc ça, c'est il y a un moment, ouais, CCIE, c'est quand même il y a un moment, c'est le 25-05-2022. Ok. Donc là, on va passer à un autre truc qui va être quand même sacrément intéressant, je pense. C'est donc dans le Figaro, il y a eu un entretien. Alors attends. C'est le même en fait? Non, c'est pas le même. Ok. Ah, c'est Richard Malka. Non, mais ça m'intéressait plus parce que c'est pas là. Bon, de toute façon, les deux sont intéressants, je pense. On verra bien. Va sur la socio. La socio. Tu veux faire des études de sociologie, tu parles? Et que ça foutre. Toi, va lire Braudel et la vraie histoire, enfin voilà, les vrais trucs, pour comprendre comment les peuples, ça fonctionne, au lieu de croire qu'on peut interchanger les gens. Les peuples, c'est des territoires et des humains qui ont vécu sédentarisés pendant des années, et c'est ce qu'on a été. Maurras. Bah, et alors? Je sais pas forcément, je connais pas très bien, franchement.
Mais je sais que c'était un mec de Provence d'ailleurs. Faudra que je me penche sur lui à un moment donné parce que c'est intéressant. Mais faut être capable de lire les choses, de s'intéresser aux autres trucs, hein. Pas de problème. Mais oui, de toute façon, c'est nazi. D'accord, bien sûr. Je sais que c'est un mec de la merde. De l'AF, quoi. Action française. Mais c'est d'autres époques aussi, hein. Vous savez, les gens, vous n'êtes pas capable de raisonner comme ça. C'est d'autres époques. Par exemple, dans les années 1800, les gens en Corse se définissaient par le fait qu'ils étaient juifs, musulmans ou chrétiens. Donc en fait, quand un mec, il attaquait un autre gars en disant le juif machin, et ben c'était... Parce qu'en fait, il se définissait comme ça. C'est anachronique de raisonner. Hein. C'est... Mais tu sais de quoi tu parles? Non, mais j'en ai entendu parler en grande partie, moi, parce que je sais que, par exemple, moi, je me suis intéressé énormément à Mistral, donc parce que comme je suis provençal, je suis en train de passer pas mal de temps, et en gros, Mistral le côtoyait. Et en fait, il l'aimait pas trop pour certains aspects. Mais par contre, sur le fait de Maurras, sur le fait de voilà, d'aimer son pays, de se défendre son pays, ce que les gauchistes ne savent plus du tout faire, et ils ont eu une haine profonde de leur propre pays, de leurs propres frères, de leur propre... Même si c'est les Français de souche, quoi. Et... Ah non, t'es Français de souche, ça n'existe pas. Non, non, raciste, raciste, nazi, nazi. Et la France, et soutenir la France. Ah. Non, c'est pas ça, c'est... Enfin, je... Pff, ouais, pourquoi pas. Ça dépend, en fait, parce que l'Action française, c'est un truc de 150 ans, donc... Ça dépend les moments. En tout cas, ouais, tous ceux qui sont souverainistes, tous ceux qui se battent pour la France, de base, qui ont la France au cœur d'abord... pour qui c'est la priorité, et eh ben déjà ces gens, je vais m'intéresser à eux de toute manière, qu'ils soient d'origine, qu'ils soient pas d'origine, parce que par exemple aller voir Driss Ghali par exemple, qui est un gars super stylé, puisque apparemment les gauchistes en fait ne peuvent pas écouter leurs frères de souche quoi, leurs frères peuvent pas les écouter, allez voir parce que vous avez besoin d'immigrés pour comprendre, ben, par exemple Boulen Sansal ou Driss Ghali pour vous expliquer en fait à quel point le pays est en train de dé d'être détruit et disparaître. Mais bon, donc à partir du moment où il y a France. Oui, bah c'est pas grave, signalez-moi, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je ne ferai pas long feu, oui, parce que vous êtes des putains de censeurs, c'est vous les nazis en fait, les plus gros racistes, c'est vous en fait, les gauchistes sont vraiment des gros racistes. Ah oui, trop dur. Non merci, j'irai pas lire des gens qui vont me dire le contraire de ce que je pense. Ouais. C'est vous les plus gros racistes. Et c'est vous les putains de censeurs, quoi. On n'a pas vu ça depuis, je sais pas, des religions complètement tarées, en fait, comme l'a pu être la chrétienté à un moment, ou alors même l'islam qui est complètement folle. Vous êtes des putains de nazis, c'est un truc de fou, quoi. Je suis fasciné, quoi. Et maintenant, on ne peut plus. C'est vraiment, quoi. Normalement, c'était. Tout est dans les années 68, interdit d'interdire. Vous n'êtes pas capable de faire face, en fait, au débat, aux idées, et vous voulez tout interdire, en fait. Ah, tu vas être banni sur Twitch, ouin, c'est trop mignon. Bien sûr, j'ai juste de la haine. Non, c'est juste bah, mon pays. C'est vous qui avez de la haine pour vos propres frères, quoi. C'est mignon, c'est mignon. On va continuer, tranquille. Je sais pas si les gauchistes sont toujours là, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que pense un gauchiste du fait qu'il y a plein de petites filles de 11 à 14 ans, par exemple moi je suis à Montpellier, voilà, qui sont voilées. Qu'est-ce que c'est bien ça? C'est bien? C'est leur choix. Je sais pas, c'est bien.
Bon, après, ça, c'est vraiment l'aboutissement des années de laxisme. Bon, ok. Bon, je vais arrêter de discuter. Bon, après, c'est intéressant d'avoir l'avis de personnes totalement ouvertes et éclairées. Passionnant. Bon, c'est juste que c'est une expression, la finalité. C'est la finalité du fait de laisser en fait une religion s'étendre et de faire son prosélytisme. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que de votre point de vue, c'est bien ou pas? Ok. Bon, alors. Donc un article qui a été extrait du Figaro. C'est pas un article, c'est un entretien. Rémi Brague et Richard Malka. Donc Richard Malka, je crois que c'est un ancien de Charlie Hebdo, je sais plus. C'est ça ou c'était leur avocat, mais je sais plus. Ah non, là, voilà, avocat, écrivain. Donc de toute façon, c'est écrit, donc je vais lire au lieu d'essayer de faire style que je connais. Inversion. Ok. Alors, Rémi Brague et Richard Malka. L'islam peut-il être tolérant? Dans son traité sur l'intolérance, l'écrivain et avocat de Charlie Hebdo oppose un islam des Lumières et un islam des Ténèbres. Une distinction que le philosophe Rémi Brague, membre de l'Institut et auteur de Sur l'islam, réfute, convaincu que le Coran est immuable, ce qui rend, selon lui, la frontière entre islam et islamisme difficile à tracer. Propos recueillis par Alexandre Devecchio et Pierre-Alexis Michaud. Rémi Brague, vous commencez votre livre en analysant le concept d'islamophobie. Que signifie-t-il? Rémi Brague, cette notion en tant que telle ne signifie rien. C'est avant tout une insulte. Et comme toutes les insultes, elle n'a pas de solidité sémantique très forte. Nous savons maintenant, grâce à deux chers chercheurs du CNRS qui a employé en français pour la première fois ce terme d'islamophobie. C'est un administrateur colonial français qui s'appelait Alain Quellien et qui a écrit en 1910 un livre selon lequel la colonisation française n'a pas à avoir peur de l'islam, parce que les musulmans acceptent finalement assez bien la présence française. Il est très intéressant de voir que ce livre fait preuve d'une sorte de paternalisme envers les populations colonisées. Quellien a fait une comparaison entre l'islam et le christianisme. Il dit que ce dernier est trop compliqué pour les Africains, et que par conséquent, l'islam est bien pour ces gens-là. Il y avait donc derrière son anti-islamophobie une vraie condescendance coloniale. Et c'est important de rappeler cela, car on a parfois l'impression que dans certains cercles intellectuels, germano-pratins et autres, il y a une attitude qui relève de ce paternalisme colonial. Il affirme, nous autres Européens, nous sommes libérés sexuellement, nous sommes capables de critiquer toute chose, nous sommes très intelligents. En revanche, pour les musulmans, il faut les laisser mariner dans leur jus traditionnel, culturel, car ils ne sont pas aussi malins que nous. Eh ben, c'est vrai que c'est pas. Non, il faut avoir un respect des différentes civilisations. Très important. C'est juste que deux civilisations qui sont sur le même territoire, c'est très compliqué, quoi. Donc, les bien-pensants, sous couvert de bonne conscience, ont préservé des réflexes coloniaux. Ok. Richard Malka. Ah oui, d'accord. Donc, il fait le lien entre le fait que ceux qui pensaient l'islamophobie. Le fait que les gauchistes, en fait, ou les bien-pensants, en fait, se servent du mot islamophobie, qui est en fait une vision coloniale, quoi. Intéressant, le patriarcal, quoi. Bah oui, non, mais en même temps, de toute façon, les gauchistes, c'est comment dire, c'est souvent un raisonnement de colons blancs, en fait, puisque en gros, ils sont pas capables de faire la différence entre les peuples et de voir, en fait, que il y a vraiment des différences de civilisation et de raisonnement, mais qui voilà, qui c'est la construction, enfin voilà, c'est pas des interchangeables les gens, c'est la construction des peuples, quoi. Parce que beaucoup de gens qui sont arrivés depuis très longtemps, en fait, ils viennent avec, comme en plus il y en a beaucoup, 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 et ben ils restent dans leur civilisation, on va dire. Enfin bon. Alors. Et donc en fait, les gauchistes, ils veulent l'imposer, ils disent oui, on va vous expliquer, c'est bon. Ah non, mais c'est vrai que maintenant les gauchistes, en fait, sont plus en mode restez comme vous êtes. Il faut aller voir le témoignage de Claire Cosse, ça c'est vraiment parfait quoi, pour comprendre en fait la catastrophe en fait de SOS Racisme, de tout ce bordel. Mais bon. La fin de l'assimilation.
mais qui a commencé avant, hein, à partir des années 68. Alors, Richard Malka, j'adhère totalement à l'idée de Rémi Brague. En 2007, je plaidais déjà pour Charlie Hebdo et affirmais que les véritables racistes étaient ceux qui nous accusaient d'islamophobie. Parce que nous, à Charlie Hebdo, on traitait toutes les religions de la même manière. Alors que ceux qui nous incriminaient, considéraient que les musulmans n'étaient pas capables d'avoir du recul par rapport à leur religion, n'avaient pas d'humour, et qu'il fallait donc les traiter à part. Ah, c'est tellement parfait, comme c'est dit. Il voulait une loi pour limiter la liberté d'expression, spécifiquement s'agissant de l'islam. C'est le vrai racisme. C'est extrêmement paternaliste. Ouais, c'est bien dit ça. Évidemment, comme l'a dit Salman Rushdie, l'islamophobie est une arme de censure pour que les aveugles restent, pour empêcher toute critique de l'intégrisme, du fanatisme, de l'islamisme, des frères musulmans. C'est une arme de l'idéologie victimaire pour culpabiliser l'autre en permanence et le faire taire. Richard Malka, on entend très souvent que l'islamisme représente une petite minorité qui n'a rien à voir avec l'islam. Est-ce le cas? Et faut-il faire la distinction entre islam et islamisme? Question pertinente. Alors, réponse de Richard Malka. Je bois un petit coup, désolé. Pour reprendre les mots de mon défunt ami Abdelwahad Medeb, l'islamisme est le cancer de l'islam. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Depuis les débuts de l'islam, il y a toujours eu deux visions qui se sont affrontées. Il y a une vision plaçant la liberté de l'homme et la raison au centre de la religion. C'est l'islam des premiers siècles, du savoir, de la connaissance, des grands philosophes, pendant que l'Occident était, lui, dans l'obscurantisme. Bon, ce qui n'est pas complètement vrai, sans vouloir défendre l'Occident à fond, mais on est en train de découvrir quand même pas mal que la vision archaïque du Moyen Âge est pas mal biaisée par beaucoup de choses. Mais effectivement, quand même, on a passé du temps, un temps particulier de 500 à 1500, quoi. Mais bon, continuons. Mais il y a aussi un islam littéraliste qui refuse l'interprétation des textes et pense que le Coran est incréé, qu'il s'agit des paroles de Dieu lui-même et non de son prophète, et dans ce cas, c'est une parole figée à tout jamais. C'est un islam de la soumission, de l'obéissance, du refus et de la raison. Il y a toujours eu un mouvement de balancier entre les deux. Malheureusement, l'islam radical est financé partout dans le monde par la vision sectaire wahhabite depuis des décennies. L'inquiétude, c'est que ce courant-là devienne l'orthodoxie. Ouais, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Ce n'est pas forcément le courant le plus important en nombre, mais c'est celui qu'on entend le plus. Ok. Ouais, ça, j'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus. C'est eux, là, les deux, Richard Malka et Rémi Brague. Alors, attendez, je suis bien au bon endroit, non? C'est bon? Donc, c'était quoi? C'est le plus revendicatif. Alors, on va zoomer. C'est le plus revendicatif, le plus militant, le plus financé. L'autre courant pour lequel la religion se vit tranquillement n'a pas nécessairement envie de s'exprimer. Il y a donc un déséquilibre et une pression qui s'exerce. Rémi Brague. Je dois avouer un certain agacement lorsqu'on me dit il n'y a pas un quelque chose, mais de quelque chose, mais des quelque chose. Je comprends pas très bien la phrase là, je suis un peu teubé de toute façon. C'est une manière de botter en touche et de se permettre un choix là où les choses sont bien plus compliquées. Si on parle des philosophes, c'est quand même Averroès qui a écrit « Il faut tuer les hérétiques », et pas dans une œuvre juridique, mais philosophique. Ibn Arabi semble partager dans ses écrits la vision édulcorée de l'islam que Richard Malka décrit. Mais lorsqu'il est consulté en tant que juriste, il insiste pour que l'on applique de manière très stricte des règles qui ont explicitement pour but de maintenir les communautés non musulmanes vivant en territoire musulman dans une sorte d'humiliation permanente. Il n'y a donc pas deux conceptions hétérogènes. La différence est assez difficile à tracer entre l'islam et l'islamisme, c'est une différence de degré plutôt que de nature. L'islamisme est un islam impatient, et l'islam est un islamisme patient. Mais je me demande si le but dernier ne serait pas le même pour les deux. La véritable différence n'est pas entre islam et islamisme, mais entre la religion islam-islamisme, et les musulmans de chair et d'os qui ont envers l'islam une attitude qui peut varier, de l'adhésion sans réserve à à un vague sentiment d'appartenance. Richard Malka,
Pourquoi faites-vous la distinction entre deux islams? Richard Malka, il me paraît compliqué de dire qu'il y a d'un côté la religion qui n'est pas tolérante en soi, et de l'autre côté les musulmans qui, eux, pourraient l'être. Parce qu'une religion n'est que ce qu'en font les hommes. Oui, mais après, il y a les masses aussi. Hein. Il y a le problème des masses, c'est pas que les hommes. Oui, les hommes, de toute façon, il a dit des hommes, c'est de manière générale. Je ne crois pas du tout que ce soit le texte du Coran qui pose problème plus qu'un autre. Si l'on prend le christianisme, c'est une religion beaucoup plus pacifique que les deux autres monothéismes. La Bible est un texte de paix et d'amour, sauf que ça a quand même donné l'inquisition. Les guerres de religion, l'évangélisme forcé, en partant d'un texte pacifique. Oui, bah alors t'imagines si les textes de la Torah et les textes du Coran sont en plus guerriers de base, c'est pas rassurant, quoi. Mais bon, c'est pas totalement faux qu'il faut se séparer, quoi. De même pour la Torah, qui est le texte religieux le plus rude des trois, car écrit 1000 ans avant le Coran, cela n'a pas empêché l'évolution du judaïsme par ses réinterprétations constantes. Le judaïsme d'aujourd'hui n'a ainsi quasiment plus rien à voir avec le judaïsme des origines. Donc je ne suis pas convaincu que la question des textes soit si importante. Tout n'est pas figé. Il peut y avoir une évolution positive ou négative. Ok. En fait, c'est vachement intéressant parce que quand on. Là, c'est le premier article qu'on a lu de Boualem Sansal. Lui, il fait pas la différence. Et en gros, il parle. Alors, il n'a pas parlé des soufis. Qui est un courant religieux qui est plutôt. C'est pas une modérée, ça veut rien dire modérée, qui justement remet en question ou fait une exégèse des textes, donc qui est très intéressant, au lieu de l'interpréter directement et de l'appliquer. Et donc, ah oui, non, c'est ça que je voulais dire, quand il parle du califat qui a disparu en 1924, il explique, donc j'imagine à la chute des Turcs, qui a fait que, en gros, maintenant chacun interprète comme il veut, puisqu'il n'y a plus de califat, il n'y a plus de représentant de Dieu sur terre comme peut représenter le pape. Donc ça, moi, je parle beaucoup avec différents religieux qui, c'est vrai, pensent clairement que c'est un des gros problèmes, le fait qu'il n'y ait pas un dirigeant en fait en islam qui permettrait de orienter de tout le monde, quoi. Tout le monde peut devenir en fait un imam. Enfin voilà, il n'y a pas de structure en fait qui maîtrise l'islam comme peut maîtriser le catholicisme avec le pape, bon, même si c'est pas ouf, hein, de toute façon, c'est toujours pareil. Donc c'est super intéressant quand il explique ça à Boualem Sansal, et là, ils en parlent pas, donc c'est assez étrange. Mais bon. Là, c'est deux Français, donc Richard Malka et Rémi Braque, c'est une interprétation, alors que Boualem Sansal, lui, c'est un Algérien, donc lui, c'est un musulman pratiquant, je crois, un peu. Et donc lui, il est vraiment de l'intérieur, donc sa vision est aussi très intéressante. Bon, donc passons à la suite. Rémi Brague, êtes-vous d'accord avec cette idée que les religions ne sont pas figées par les textes et sont ce que les hommes en font? Rémi Brague, réponse. Jusqu'à un certain point, je partage ce qu'a dit Richard Malka, mais avec certaines retenues. Je suis évidemment un homme de texte, c'est mon travail. On peut aisément montrer que l'inquisiteur Torquemada a trahi l'évangile, mais bien moins facilement que Daesh trahit le Coran. Il faut voir la difficulté qu'ont eu les gens d'Al-Azhar à émettre une condamnation envers les djihadistes parce que Daesh leur disait « Lisez la biographie du prophète, c'est exactement ce que nous faisons. » On peut citer l'exemple du malheureux pilote jordanien qui a été brûlé vif par Daesh, et là il y a eu une discussion avec les gens d'Al-Azhar, qui ont dit « Non, il fallait juste lui couper une main et un pied, seul Dieu brûle les pécheurs en enfer. » D'accord, c'est tout à fait joyeux. Daesh a donc répondu qu'un compagnon du prophète avait brûlé vif ses adversaires et que ça ne pouvait donc pas être entièrement mauvais. Putain, c'est des discussions passionnantes entre les différents courants ultra. Alors, non, franchement, t'aurais dû lui couper la main, non, c'était mieux. Parce que franchement, le brûler, c'était pas une bonne chose, hein. C'est pas trop respectueux du courant. Alors, au contraire, il est bien plus difficile de justifier les croisades par l'évangile. De plus, les croisades sont en fait historiques, sont un fait historique daté, alors que le djihad est une obligation permanente, qui n'est pas située dans le temps, et pour prendre différentes formes, pacifiques ou non. C'est une obligation qui est censée venir de Dieu, car le Coran, pour les musulmans, a pour auteur Dieu. Richard Malka, vous mettez le doigt sur une controverse fondamentale entre ceux qui considèrent que le Coran est immuable et ceux qui se laissent une marge d'interprétation.
Les Ambalites, qui ont enfanté des Wahhabites et des Salafistes, avaient une conception figée des Écritures saintes, alors que la première école de l'islam, les Mutazilites, refusait de considérer le Coran comme incréé, puisque passé par la médiation d'un homme, Mahomet. Nous ne sommes jamais sortis de cette discorde initiale. Et là, peut-être que justement, s'il y avait un chef musulman, lui dirait quelle est la voie. Et donc, en fait, ce serait clair pour tout le monde, en fait, si c'était la voie, interprétation. Je connaissais pas bien ce mot-là, incréé. Ou si c'est plutôt une voie d'interprétation, et donc quelle est l'interprétation? Ce serait vraiment intéressant, hein, putain, si ça arrivait. Et qui pourrait faire ça, en fait, au final? Est-ce que c'est les Saoudiens? C'est chaud quand même. Est-ce que c'est les Turcs? Est-ce que bah, l'Algérie, bon, c'est compliqué parce que c'est quand même sacrément le bordel. Est-ce que c'est le roi Mohamed V ou 6, 6 qui pourrait faire ça? Bon. Ce serait vraiment intéressant, putain, si ça arrivait dans les années qui viennent, qu'il y ait un chef musulman pour voir comment ça tourne. Ça serait trop stylé. Alors, le Coran, comme a créé, nous ne sommes jamais de cette discorde initiale. Concernant le djihad, comme obligation, il faut bien rappeler que le Coran dit tout et son contraire et assume ses contradictions. Certes, il y a le verset de l'épée, mais il y est aussi écrit, il n'y a nulle contrainte en religion. Oui, mais là. Et si Dieu avait voulu que tout le monde croie, tout le monde aurait cru. Qui es-tu, toi, pour contraindre les gens à croire? Il y a donc deux Corans. Un Coran libéral, celui de la Mecque, et un plus belliqueux, celui de Médina. Ah, c'est pour ça qu'il s'est appelé comme ça, le chanteur. Ce sont les hommes qui, par l'interprétation, font le choix de l'un ou de l'autre, car ils sont radicalement contradictoires. Lors de la construction de l'Empire abbasside, on s'est demandé comment résoudre tout cela. Des juristes sont réunis et ont décidé de l'abrogation de la partie pacifique au profit de la partie belliqueuse, parce qu'ils avaient besoin d'un texte plus agressif pour l'expansion de l'Empire. Les Abbassides, attends, je vais aller voir ça. Abbasside, ça fait plusieurs fois que je l'entends comme ça. Les Abbassides sont les descendants de Abbas, l'un des oncles du prophète Mahomet. Les oncles du prophète Mahomet, forts de cette parenté, ils parviennent à exploiter le mécontentement des populations à l'égard des Omeyyades pour s'emparer du pouvoir en 750. Les Omeyyades, pour moi, c'est les premiers religieux, la conquête du pouvoir. Les Omeyyades appartiennent à l'ancienne oligarchie de la Mecque qui a obtenu le pouvoir avec la nomination du troisième calife, Uthman ibn Affan, 644-656, le seul membre de cette aristocratie à avoir rallié Mahomet au début de sa prédication. À la suite de l'assassinat de Outhman en juin 656 par des mutins de l'armée d'Égypte, la famille de Oumaya accuse pour conserver le pouvoir le quatrième calife, Ali, de complicité dans ce meurtre. Ok, les Omeyyades. Donc les Abbasides, forts de cette parenté, ils parviennent à exploiter le mécontentement des populations à l'égard des Omeyyades pour s'emparer du pouvoir en 750. Les chiites, et principalement ceux de la Perse, contribuent largement sous la direction d'Abba Mouslim. Au succès des Abbassides. Toutefois, la chute des Omeyyades ne découle pas d'antagonismes raciaux, mais plutôt d'une révolte sociale contre l'aristocratie arabe. Le moteur de la révolution réside dans le mécontentement économique et social des populations citadines non privilégiées. Marchands et artisans des villes de garnison, prenant conscience de l'importance de leur rôle dans le domaine économique, aspirent à la direction des affaires politiques. Au surplus, la classe dirigeante du royaume Omeyyade devient, avec la cessation des guerres de conquête, seule activité productive de l'aristocratie, une caste historiquement désuète. Son renversement nécessite pourtant une conjugaison d'intérêts divers. Une fois la victoire remportée, la coalition contre les Omeyyades éclate, se scindant en groupes dressés les uns contre les autres. Les Abbassides commencent par se débarrasser de l'aile extrémiste du mouvement. Abu Muslim est exécuté avec plusieurs de ses compagnons et l'émeute fomentée par ses partisans est écrasée dans le sang. Tous les persans ne sont pas pour autant écartés de la vie politique. Bien au contraire, l'aile modérée s'apprête à jouer un rôle de premier plan dans la direction de l'Empire. Intéressant. Ok, donc il parlait des Abbassides. Richard Malka, tac 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 tac. Qu'est-ce qu'il disait? Le verset de l'épée, nanana. Il y a donc deux Corans, celui de nanana. Ce sont les hommes qui, par l'interprétation, font le choix d'un. Lors de la construction de l'Empire abbasside, on s'est demandé comment résoudre tout cela. Des juristes se sont réunis et ont décidé de l'abrogation de la partie pacifiste au profit de la partie belliqueuse parce qu'ils avaient besoin d'un texte plus agressif pour l'expansion de l'Empire. Tandis que le théologien Mahmoud Mohamed Taha, au XXe siècle,
Considérez que c'est la deuxième partie du Coran, celle de Médine, qu'on devrait laisser de côté, car ce n'est qu'un texte de gouvernement à un moment donné, à Médine, et que la partie universelle du Coran est la première, libérale. Le choix dépend bien des hommes et des situations. Malheureusement, Mohamed Taha a été pendu. Ah putain, c'est énorme. Ok. Alors, encore on répond. Richard Malka. Vous dites que le Coran assume lui-même ses contradictions, pourtant on lit à la sourate 4, verset 84. S'il y avait des contradictions dans le Coran, cela prouverait qu'il ne vient pas de Dieu. Deuxièmement, pour répondre aux contradictions du Coran, on peut appliquer la théorie de l'abrogation qui donne l'avantage au verset révélé plus tard. Donc l'existence de ces ambivalences ne pose aucun problème aux musulmans. Il suffit d'appliquer ce principe. Il y a un verset qui dit: ce n'est pas bien de boire, ne venez pas ivre à la prière. Un deuxième affirme: vous ne devriez pas boire. Et enfin, un troisième proclame: il est interdit de boire. Et c'est le dernier verset qui fait force de loi. Les musulmans ne boivent pas d'alcool. Il faut préciser que les mutazilites n'étaient pas non plus des enfants de cœur. Ils étaient partisans de la liberté métaphysique pour que l'homme puisse être récompensé et condamné justement. Mais ils n'hésitaient pas à envoyer les CCS, les compagnies califat de sécurité, contre leur adversaire. L'islamologue Ignaz Goldziher disait que ce fut une chance pour l'islam qu'il n'y eut que trois califes qui ont soutenu les mutazilites. Quant à la situation actuelle, il y a effectivement quantité de musulmans qui regardent leur propre islam avec des yeux qui ne sont pas ceux de Chimène et qui n'hésitent pas à critiquer les dérives radicales. Et le problème, c'est que voilà, quand il y a une religion qui est aussi puissante et qu'il y en a plein qui croient à fond et qu'en fait, après, vous regroupez tous ceux qui croient comme au lieu de les séparer. Avec la problématique de la masse et la problématique en fait du fait qu'ils se regroupent, parce que les gens disent qu'on les parque, mais en fait ils se regroupent. Quand on importe trop de gens, et ben en fait ça va pas diluer ce que notre pays aurait pu faire. Diluer cette pensée, il y en a plein, hein. Moi j'en connais plein des musulmans qui sont, bah, qui, c'est pas un bon exemple, mais qui picolent quoi, en fait, et qui sont des Français quoi, qui partagent la France, enfin qui sont pas. Qui mettent pas la loi de la religion en premier, quoi. C'est vraiment ça le souci, quoi. Donc c'est sûr qu'il y en a plein, mais bon, voilà. Le problème, c'est que il suffit d'une petite minorité de 20%, parce que les gens parlent d'une petite minorité, mais moi je dirais 20%, 15-20% qui imposent, en fait, et voilà, la religion, c'est compliqué, la religion, hein. Seulement, il faudrait que des non-musulmans le soutiennent. Alors, là, Chimène qui n'hésite pas à critiquer les dérives radicales. Seulement, il faudrait que des non-musulmans les soutiennent au lieu de se taire par crainte d'être traités d'islamophobes. La balle est dans notre camp. Oui, bah, c'est ce qu'on essaie de faire, mais bon, avec les gauchistes, c'est pas facile. Avec le pays qui est totalement gauchisé, on peut rien dire, quoi. Richard Malka, vous dites dans votre livre qu'il y a la possibilité d'un islam des Lumières. Eh ouais. C'est un espoir qu'il ne faut jamais abandonner, l'espoir. Il s'est passé au début du XXe siècle en France une rencontre entre Al-Ghani et Mohamed Abdou. Et de cette rencontre est née la Nahda, un mouvement de modernisation de l'islam. Notre pays a la plus grande communauté musulmane d'Europe et nombre au sein de cette communauté sont acquis aux valeurs républicaines. Mais les valeurs républicaines, quoi. À la France, quoi, à la France. La France, la liberté, la France, c'est la liberté. C'est pas. Oui, c'est républicain, bien sûr, bien sûr, c'est la République, mais c'est plus que ça, quoi. Des millions de musulmans ne se sentent pas représentés. En plus, ça pourrait dire les valeurs républicaines françaises. C'est ça, moi, que je préférais qu'on dise. Quand on dit et vive la République française. Voilà, parce que c'est notre République qui est particulière par rapport aux autres. Hein. Une petite étincelle qui réinventerait l'islam. Alors, on peut espérer en France, pays universaliste et républicain, une petite étincelle qui réinventerait l'islam. Il suffit de choisir une autre lecture du Coran, comme beaucoup le font déjà. Donc voilà, c'est fini l'article, c'est vraiment passionnant quoi. Excellent. Très très intéressant. Ok. Alors là, il y a un livre qui est sorti qui a l'air aussi passionnant. C'est sorti du livre Les Frérismes et ses réseaux, Le Frérisme et ses réseaux, l'enquête. Florence Bergot-Balclair, Blacker, Le Frérisme et ses réseaux, l'enquête. Donc c'est par. Ah non, c'est la préface de Gilles Kepel, d'accord. Parce que Gilles Kepel, c'est quand même un boss dans ce sujet. Alors, bon, il y a une interprétation par F de Souche, mais bon.
Ce livre présente le mouvement islamiste issu de l'internationalisation du mouvement des frères musulmans tel qu'il s'est développé en Europe. Florence Bergo-Blackers le nomme frérisme. Elle explore ici de façon factuelle et documentée l'origine du mouvement, son fondement et doctrinal, pardon, son organisation et ses modes opératoires, ainsi que ses méthodes de recrutement et d'endoctrinement, et montre comment il étend son empire au cœur même des sociétés européennes en s'appuyant sur leurs institutions, en subvertissant les valeurs des droits de l'homme ou en islamisant la connaissance. Ni réquisitoire, ni dénonciation complotiste ou militante, c'est le résultat d'une enquête de fond étayée et référencée menée selon les méthodes des sciences humaines et qui cerne précisément un objet, l'islam frériste, qui construit un système islam décliné dans trois directions, une vision, une identité, un plan. Le propos ne vise ni une religion ni une communauté de croyants, mais décrit un mouvement qui cherche à se servir d'eux pour imposer une stratégie d'islamisation des pays non musulmans dans toutes sortes de domaines, de l'économie à l'écologie, de l'école à l'université. Un document de référence qui éclaire un phénomène souvent mal cerné. Un livre précieux pour sa mesure et sa lucidité qui nourrit le débat de faits plutôt que d'anathèmes idéologiques. Ça a l'air très intéressant. Florence Bergo-Blacker est anthropologue chargée des recherches au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité et l'école, à l'école pratique des hautes études. Ça a l'air bien stylé comme livre, pour essayer de parler, on va dire, un peu plus calmement de ces choses-là. Ah, elle avait sorti un autre truc là. En tout cas, c'est un livre que je pense, dès que je peux, je le lirai parce que ça a l'air extrêmement intéressant. Il y avait eu un autre article, c'est quand ça? En 2021, Florence Bergo-Blacker, un musulman prosélyte, ne sera pas indifférent à ce visage européen à moitié voilé. Signe de l'accomplissement de la prophétie calife. Fall qui doit assurer la présence de l'islam partout dans le monde. Il n'y a plus de calife, donc. Mais bon, c'est. Malgré le tollé suscité de la campagne sur la diversité, est toujours en ligne sur le site de l'institution, s'insurge Florence Bergo-Blacker. Et ouais. C'était à l'époque où il y avait eu cette pub où on voilait les femmes. Dans la pub, il y avait les Européennes qui étaient voilées, quoi. Qui se voilaient. Bon, magnifique. Alors. On va continuer sur un autre article et on aura fini cette première partie d'enquête, d'enquête entre guillemets, qui est de lire en fait les différents sujets qu'on peut avoir. Après, il y aurait tellement de choses à lire, mais c'est déjà pas mal là. Il y a eu pas mal d'informations, il y a eu beaucoup d'informations. Et en cas, je verrai si je suis encore apte pour faire la France Orange Mécanique. Je vais juste aller me chauffer mon petit café et boire un petit.
Ok, donc bon, ça prend du temps, la mission est très longue, mais bon, c'était obligé de façon à prendre à la légère ce sujet. Ah, j'ai des antifas qui sont venus sur le chat, quoi, c'était intéressant. Moi, j'ai pas de problème, qui veut vient, tant qu'ils sont un peu courtois les gens, sinon c'est bannissement direct, quoi. Ok. Tac. Alors. On va continuer sur un article et lire dans tout ce dossier aussi qui a l'air très intéressant. Europe, l'islam fait face. Non, l'islam face à l'entrée des frères musulmans. Dans le frérisme et ses réseaux, l'enquête dont nous publions des extraits en avant-première, l'anthropologue Florent Bergot-Bekel révèle comment les frères musulmans, la plus secrète des organisations islamistes, ont reçu affaire de l'Union européenne la base avancée de leur propre projet. De leur projet de conquête du monde, pardon. Donc là, c'est cool parce que j'ai cet extrait et on va pouvoir le lire tranquillement et après on le partagera. Alors, l'Europe sous influence frériste. Dans le frérisme et ses réseaux, l'enquête dont nous publions des extraits en avant-première, l'anthropologue Florence Bergot-Blacker révèle comment les frères musulmans, la plus secrète des organisations islamistes, ont réussi à faire de l'Union européenne la base avancée de leur projet de conquête du monde. Mais ça a l'air tout à fait joyeux. Alors, de la décapitation de Samuel Paty, c'est bien de commencer par ça parce que c'est la plus grande des horreurs. Et bon, ça l'explique bien que ça a commencé comme ça en Algérie avec les islamistes. Dans les années 90, c'est la décapitation des professeurs dans les petits villages. Alors, de la décapitation de Samuel Paty à la sortie de son collège aux manifestations pro-Burkini. Dans les piscines, en passant par la marche contre l'islamophobie à Paris, leur ombre plane sans que jamais leur implication soit établie. Le déferlement de haine sur les réseaux sociaux contre le prof coupable d'avoir montré à ses élèves les caricatures de Charlie Hebdo a-t-il été orchestré par les frères musulmans? Rien ne permet de l'affirmer. Les militants de l'Alliance citoyenne, qui veulent imposer la mode pudique, dans les établissements municipaux, réfute toute accointance avec l'international frériste. De même que le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, aujourd'hui dissous, à l'origine de la manifestation de 2019. Ça m'a l'air vraiment intéressant ce livre. L'immense mérite de l'enquête que publie Florence Bergot-Blacker est de montrer que ces événements, sans lien tangible les uns avec les autres, servent un même objectif, soumettre l'Europe aux normes du fondamentalisme islamique, par la terreur, la pression et la persuasion. Comme son précédent ouvrage, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, Le marché halal ou l'invention d'une tradition, le nouveau livre de cette chargée de CNRS, chargé de recherche au CNRS, éclaire dans sa totalité un tableau dont l'actualité quotidienne ne révèle que les détails les plus saillants. Elle expose ce qu'elle appelle le système islam. En partant de ses textes fondateurs, de véritables plans d'action où les maîtres à penser des frères musulmans ont décrit par le menu des méthodes aujourd'hui à l'œuvre en Europe. Eh ben, c'est pas très joyeux tout ça. Décortiquant la nébuleuse frériste, elle recense les organisations et associations qui en sont des émanations directes, mais aussi celles qui en sont devenues des relais d'influence grâce à l'entrisme des membres de la confrérie. Ils ne peuvent agir à visage découvert. Les frères musulmans ont mauvaise presse en Europe et sont interdits car considérés comme terroristes dans la plupart des pays arabes, y compris en Égypte où ils sont nés. Par exemple, l'imam de Bordeaux, c'est un ancien frériste. Mais bon, moi il est modéré. Soumission, Florence Bergot-Blacker consacre également plusieurs chapitres aux complices de l'international islamiste, au sein des institutions européennes, en France aussi, et aussi en Belgique, où elle se rend souvent. Elle montre comment la capitale belge est devenue le califat de Bruxelles, grâce à une entreprise de noyautage des frères musulmans dans les médias, les institutions et le monde associatif. Putain. Et grâce aussi à la lâcheté et à la soumission de la plupart des acteurs du monde politico-médiatique belge. Avec sa collègue anthropologue Fadila Maharoufi, elle a monté en 2020 à Bruxelles l'Observatoire des fondamentalistes. Sa création a pas mal bousculé le petit monde des associations
laïque belge qui ne parlait jamais de ces sujets, se réjouit-elle. C'est bien ça. Dans le cadre d'un master sur l'endoctrinement des femmes à Bruxelles, Fadila Maaroufi, née en Belgique de parents marocains, s'est infiltrée pendant 3 ans dans une mosquée tenue par des fondamentalistes. Comment elle a fait pour ça? Ah, j'aimerais bien savoir. Ensemble, elles ont aussi ouvert à Bruxelles le Café Laïque, un café-restaurant où des auteurs de renom viennent donner des conférences sur les atteintes à la laïcité et sur le wokisme dans ses multiples expressions. Le 15 décembre, elle avait invité Caroline Eliashieff et Céline Masson, respectivement pédopsychiatres et psychanalystes qui ont écrit La fabrique de l'enfant transgenre, pour alerter sur les ravages de la promotion du changement de sexe chez les enfants. Des militants encagoulés ont fait irruption dans le café en hurlant pour y déverser des excréments. Aucun des grands médias belges n'a mentionné cette agression. C'est étonnant. C'est étonnant. Ah, c'est elle, cette dame. C'est Fadila, là, à gauche, je pense. Elle a monté le café laïque. Bruxelles. Le combat culturel des frères musulmans. Florence Bergo Blacker, putain, j'arrive pas à le dire, dévoile la stratégie des islamistes qui vise à introduire du séparatisme dans tous les domaines, tout en dénonçant sans relâche l'islamophobie. Islamophobie entre guillemets. Ok, donc ça continue. Alors attendez, mais c'est bien le début de l'article là. Ok. La stratégie de l'ISESCO. Le travail de subversion du droit international peut être illustré par la très explicite stratégie de l'ISESCO, Islamic Educational Scientific and Culturalization Organization, Cultural Organization, qui doit beaucoup aux directives de Karadawi. La technique d'usure des démocraties séculières par les frères s'élabore autour du droit à la différence, un droit qui n'existe nulle part en tant que tel, mais qu'ils font dériver du principe de non-discrimination présent dans la Charte des Nations Unies. Pour les frères, nous l'avons vu, la puissance technologique et économique rend improbable la réussite d'une conquête militaire sur l'Occident. C'est par l'éducation et la culture, le domaine de l'ISESCO, que les démocraties occidentales céderont comme le monde musulman a cédé au XVIIIe siècle. Vers la fin des années 1980, les frères européens ont rédigé une stratégie pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'Oumma, des communautés musulmanes installées en Occident. Elle a été publiée au Qatar, l'un des principaux bailleurs de fonds de la mouvance frériste dans le monde, par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Intéressant. Créée sur le modèle de l'UNESCO pour l'Organisation de la coopération islamique, elle est elle-même créée comme une copie de l'ONU sous le titre L'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Il s'agit de donner à l'ambition suprémaciste des frères en élaborant un programme destiné à empêcher les minorités musulmanes d'adopter les lois locales et les principes issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans le document publié en anglais et en français, les frères proposent d'édifier la personnalité de l'être musulman, afin qu'il s'engage dans la vie quotidienne, à respecter les commandements d'Allah, ses prohibitions, se parer de l'éthique islamique généreuse et tolérante, fondée sur le bien, le droit, l'équité, le devoir à agir dans le cadre de la charia qui repose sur deux principes. Deux points, ordonner le bien, prohiber le blâmable. C'est tout à fait passionnant. La stratégie doit assurer une protection contre l'invasion et l'aliénation culturelle, garantir la sécurité culturelle et l'immunité nécessaires au développement de la personnalité du musulman. Le document de l'ISESCO est un texte d'une centaine de pages confus, désordonné et répétitif. Il n'est pas signé, mais certains passages assez précis relatifs à la France suggèrent une proximité avec les textes des frères musulmans de l'IESH, Institut européen des sciences humaines, de Château-Chinon. Le document se concentre sur l'éducation des jeunes générations nées en Occident que l'islam ne doit pas perdre, car ils seront ses messagers. Et ils seront ces messagers, pardon, qui répandront la religion des élus partout dans le monde. Les frères y expliquent que les musulmans ne sont pas assimilables, qu'ils n'apporteront aux Occidentaux que des problèmes si ces derniers persistent à ne pas prendre en compte leurs besoins spécifiques d'être guidés par l'islam.
un argument que développait également le roi du Maroc souhaitant garder sous son contrôle la diaspora marocaine en Europe. Du fait de leur spécificité de musulmans, ils continuent de souffrir des humeurs racistes, notamment à l'occasion de l'exercice de certaines pratiques religieuses et de l'observance des préceptes religieux. Ils sont alors victimes de préjugés lorsqu'ils sont tenus pour responsables des attaques terroristes, ces pratiques déshonorantes et isolées auxquelles l'islam est tout à fait étranger. L'enseignement de la laïcité à l'école est une entrave au développement équilibré de l'enfant musulman auquel ont été inculquées les valeurs occidentales et les coutumes locales. Entre guillemets, certains problèmes dont souffrent les enfants immigrés dans les pays occidentaux sont en partie dus aux programmes scolaires qui sont destinés aux musulmans et aux occidentaux de manière égale. Putain, c'est chaud quand même, hein. Et qui ont essentiellement un caractère laïque. En effet, il est difficile pour un enfant qui a reçu une éducation occidentale laïque de s'en départir, tant il a été imprégné. Il en a été imprégné. De fait, ces enfants et jeunes musulmans se voient inculquer les valeurs occidentales et ancrer le modèle de pensée et les coutumes locales. Il faut donc mettre en œuvre en Occident, et voilà la stratégie. De point, enfin, ouvrir les guillemets, une éducation islamique appropriée et saine, des programmes judicieusement élaborés, ayant pour objet la conscientisation, l'acculturation, l'orientation, la protection sociale, entre parenthèses, des musulmans, suivant la lettre et l'esprit de l'islam. La finalité est de parvenir à un développement culturel durable des sociétés islamiques au sein des pays non musulmans. Il s'agit en résumé de protéger la personnalité musulmane des valeurs locales afin de développer un écosystème islamique durable dans les pays non musulmans. Il faut même l'immuniser contre son environnement immédiat, le protéger de l'invasion et de l'aliénation culturelle, garantir donc entre guillemets pardon, le protéger de l'invasion et de l'aliénation culturelle, garantir la sécurité culturelle et l'immunité nécessaire au développement de la personnalité du musulman en le formant au principe de l'islam et de la culture islamique. Putain, mais c'est chaud, putain, c'est chaud. L'ISESCO appelle les pays islamiques à maintenir les liens avec les minorités musulmanes, notamment. Notamment les universités. Donc, deux points. Toujours pareil, c'est des extraits en fait de l'ISESCO là. Les universités et autres établissements d'enseignement inférieur et supérieur devraient veiller à ce que les installations de prière, y compris les installations sanitaires nécessaires, soient mises à la disposition des musulmans sur tous les campus. Que des aliments conformes aux exigences diététiques islamiques soient disponibles dans les réfectoires des étudiants. Et qu'aucun étudiant musulman ne soit obligé de porter des vêtements qui contreviendraient aux règles musulmanes en matière de modestie et de décence. Putain. Les universités et autres établissements d'enseignement inférieur et supérieur devraient élaborer des politiques officielles sur l'islamophobie dans le cadre de leur politique d'égalité des chances et de relations sociales, de relations raciales, et devraient élaborer des procédures sensibles pour signaler les incidents de harcèlement religieux et de discrimination à la fois sur le campus et hors du campus. Les écoles devraient prendre toutes les mesures possibles pour vérifier l'exactitude factuelle des représentations de l'islam dans les manuels et les livres de bibliothèque qu'elles utilisent, et pour vérifier qu'elles incluent des photos d'élèves musulmans de manière dépourvue de portée symbolique, non tokenistic way, dans les manuels pour toutes les matières. Les autorités éducatives locales et les écoles devraient veiller à ce que là où la citoyenneté est enseignée en tant que matière scolaire, elle soit enseignée d'une manière qui soit sensible aux problèmes particuliers auxquels sont confrontés les musulmans en tant que citoyens britanniques. Putain, c'est chaud, je suis désolé, mais c'est vraiment, c'est un truc de fou, hein, putain. Cela peut nécessiter l'élaboration de matériel spécifique relatif aux musulmans et à la citoyenneté que les écoles peuvent utiliser à la fois avec les élèves musulmans et dans le contexte du développement de la compréhension et du respect interculturel. Donc tout ça, c'était ce qui est écrit dans le texte de l'ISESCO là. De 1980, déjà quoi. C'est fou en fait. Dans un rapport Chouderi 2017 explique que les musulmans ont été dénigrés et dominés et qu'en conséquence un activisme islamique est une étape vers l'intégration civique. C'est bien d'accord, ok. Il explique que les musulmans s'identifient en partie à l'islam en réaction au milieu qui les rejette. Et les hommes musulmans ont été dominés, qui réagissent donc en mobilisant une identité forte, voire radicale. Pour lui, l'identité musulmane peut jouer un rôle dans la définition du sens de la masculinité chez les jeunes hommes musulmans. Ils peuvent ainsi construire une identité musulmane forte pour résister aux stéréotypes de faiblesse ou de passivité. Autrement dit, il faudrait accepter la violence des hommes s'ils sont musulmans, si l'on ne veut pas qu'ils se sentent humiliés et deviennent violents. Ah, elle est énorme cette phrase. Autrement dit, il faudrait accepter la violence des hommes s'ils sont musulmans, si l'on ne veut pas qu'ils se sentent humiliés et deviennent violents.
Elle est énorme cette phrase. C'est un truc de fou. Ok, l'activisme, donc ça continue. Un extrait du livre pour expliciter ce que cette phrase. L'activisme pour des causes ethniques et islamiques, même lorsqu'il a été conflictuel, a accéléré l'intégration musulmane. Une telle participation permet de s'engager dans d'autres formes de participation civique et politique. Alors que la politique identitaire musulmane peut être un déclencheur important pour la mobilisation et la participation, le processus de participation est en soi transformateur et les individus sont alors plus susceptibles de s'engager dans des processus plus larges d'engagement civique. Il en conclut ainsi que le salut du Royaume-Uni réside dans la religion et que les autorités religieuses peuvent résoudre le problème de la radicalisation. La qualité et la confiance du leadership religieux sont essentielles parce que le succès de la lutte contre la radicalisation consiste à fournir aux musulmans les connaissances et les idées nécessaires pour affronter les groupes extrémistes. Il peut ainsi sans fin allumer l'incendie en prétendant l'éteindre. Extrait choisi par Judith Vintrop. Donc ça fait partie du livre, là, l'effraïsme sur les réseaux et les ces réseaux, l'enquête. Eh ben, c'est passionnant tout ça. Attendez, mais c'est pas fini là? J'ai raté un texte, un bout? Si, si, je l'ai lu ça. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est le texte d'avant, non? Merde. Bon. C'est super, j'ai lu et je me suis planté. 49, 48. Ah non, mais il n'y avait pas l'air d'avoir de problème. Ah, mais je pense que c'est quand j'ai sauté là. Cette agression, Europe. 51. Ah merde. Ah, le boulet, putain. C'est pour ça qu'il y avait un problème dans ce que je disais. Ah, le boulet. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre. Ah, le boulet, mais quel boulet, quoi. Bon, bah, je vais reprendre, de toute façon, je cutterai la vidéo. Donc, on avait lu le texte, en fait, sur l'ISESCO. L'ISESCO appelle les pays islamiques à maintenir les liens avec les minorités musulmanes, notamment par les technologies de communication. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas. Notamment par les technologies de communication en faisant usage de toute la gamme des moyens médiatiques afin d'assurer des relations et une communication permanente durable et fructueuse. Le secteur des médias halal éducatif développé depuis les années 2010 est l'un des résultats de cette stratégie, sous prétexte d'assurer aux musulmans une image positive de soi inspirée de la spiritualité de l'islam. Les frères exigent le respect de la sacralité de l'islam aussi bien par les musulmans que par les non-musulmans. C'est pourquoi nous l'avons vu avec la promotion du concept flou d'islamophobie. L'interdit du blasphème reste une pierre angulaire de leur plan. Ainsi, la stratégie subvertit-elle les principes des droits universels pour revendiquer la nécessité de s'en séparer, notamment pour la jeunesse. Deux points, donc ouvrez le mais, pour la prémunir contre toute fusion dans le milieu ambiant et permettre de la sorte à cette jeunesse de conserver sa spécificité culturelle dans le cadre du droit à la différence, lequel droit est devenu un élément fondamental des droits de l'homme et un pilier de la diversité culturelle qui compte aujourd'hui parmi les bases du droit international par référence à la Charte des Nations Unies. La stratégie préconise enfin le développement de l'enseignement islamique pour favoriser l'enseignement des valeurs, entre guillemets, favoriser l'enseignement des valeurs et de l'éthique islamique aux côtés d'une formation scientifique et cognitive. Car seul l'enseignement islamique peut concevoir, entre guillemets, concevoir et élaborer des visions et des méthodes éducatives à même d'épargner aux enfants de se heurter à des problèmes caractéristiques de la vie en milieu occidental et de les libérer de cette scission culturelle dont ils souffrent. L'Open Society de... Donc oui, bah, comme d'hab, on voit les textes qui sont magnifiques. L'Open Society de Soros et la lutte contre l'islamophobie. Dès le début des années 2000, l'ONG du milliardaire américain George Soros a joué un rôle déterminant dans la dissémination du terme islamophobie dans les milieux académiques et éducatifs. L'Open Society European Policy Institute, la branche du réseau Open Society Foundation basée à Bruxelles, je crois que c'est ce dont tu m'as parlé, l'antifa là tout à l'heure, basée à Bruxelles, a financé de larges études sur le problème musulman destinées à conseiller les politiques européennes pour une société plus inclusive. Le rapport signé Tufial Choudhury, conseiller de l'Open Society UK de 2006 à 2015, s'apparente à un véritable manuel frériste. Ce chercheur
Ce chercheur sur les questions de sécurité nationale s'est spécialisé dans la lutte contre la radicalisation djihadiste en proposant des programmes de réinsertion des droits des djihadistes et de défense des droits humains. Il fait partie de ces activistes qui ont pu disséminer via l'Open Society la théorie selon laquelle si les musulmans ne coopèrent pas davantage contre l'islamisme, c'est que les forces de police antiterroristes ne sont pas dignes de confiance. Ne coopèrent pas. Je pense qu'il y a une erreur. Si les musulmans ne coopèrent pas davantage contre l'islamisme. Il a ainsi pu proposer des solutions donnant plus d'autonomie politique aux musulmans, soit précisément ce que veulent les frères. On y trouve une série de recommandations comme accroître la participation des musulmans, tant au niveau national que local, sur les questions de politique, de pratique éducative. Et de pratiques éducatives. Les autorités éducatives locales sont invitées à explorer la possibilité de fournir une éducation non mixte comme une option offerte aux parents dans les territoires à forte population musulmane. Il est suggéré d'établir les procédures de diffusion des bonnes pratiques pour répondre aux besoins des élèves musulmans et également de remplacer les écoles anglicanes par des écoles musulmanes là où les musulmans sont nombreux. Il est conseillé de faciliter les pratiques islamiques dans l'espace public et en particulier dans les lieux d'éducation. Donc là, 2 points, c'est le texte. Donc on va pouvoir revenir là où je me suis loupé. Le gouvernement devrait mettre en place un système de prêts étudiants qui n'implique pas que les étudiants musulmans. Les étudiants musulmans de l'enseignement supérieur soient tenus d'agir comme contre les règles islamiques sur les paiements et la perception des intérêts. Et donc on en est arrivé là. Ça continue avec cette partie-là. Les universités et autres établissements d'enseignement inférieur et supérieur devraient veiller à ce que les installations de prière, y compris les installations sanitaires nécessaires, soient mises à la disposition des musulmans sur tous les campus, que des aliments conformes aux exigences diététiques islamiques soient disponibles dans les réfectoires des étudiants et qu'aucun étudiant musulman ne soit obligé de porter des vêtements qui contreviendraient aux règles musulmanes en matière de modestie et de décence. Les universités et autres établissements d'enseignement inférieur et supérieur devraient élaborer des politiques officielles sur l'islamophobie dans le cadre de leur politique d'égalité des chances et des relations raciales et devraient élaborer des procédures sensibles pour signaliser les incidents de harcèlement religieux et de discrimination à la fois sur le campus et hors du campus. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans le texte là. Les écoles devraient prendre toutes les mesures possibles pour vérifier l'exactitude factuelle des représentations de l'islam dans les manuels et des livres de bibliothèque qu'elles utilisent. Et pour vérifier qu'elles incluent des photos d'élèves musulmans de manière dépourvue de portée symbolique, non tokenistic way, dans les manuels pour toutes les matières. Les autorités éducatives locales et les écoles devraient veiller à ce que là où la citoyenneté est enseignée en tant que matière scolaire, elle soit enseignée d'une manière qui soit sensible aux problèmes particuliers auxquels sont confrontés les musulmans en tant que citoyens britanniques. Putain, c'est fou. Cela peut nécessiter l'élaboration de matériel spécifique relatif aux musulmans et à la citoyenneté que les écoles peuvent utiliser à la fois avec les élèves musulmans et dans le contexte du développement de la compréhension et du respect intellectuel, interculturel. Voilà, fin de la citation du texte là, qui a été fait en britannique. C'était quoi exactement? Donc je reviens dessus. C'est l'Open Society de Soros, quoi. Putain, c'est chaud, hein. Dans un autre rapport, Choudhury, ouais, c'est Choudhury le rapport, 2017, explique que les musulmans ont été dénigrés et dominés et qu'en conséquence, un activisme islamique est une étape vers l'intégration civique. Il explique que les musulmans s'identifient en partie à l'islam en réaction au milieu qui les rejette, que les hommes musulmans ont été dominés, qu'ils réagissent donc en mobilisant une identité forte, voire radicale. Pour lui, l'identité musulmane peut jouer un rôle dans la définition du sens de la masculinité chez les jeunes hommes musulmans qui peuvent ainsi construire une identité musulmane forte pour résister aux stéréotypes de faiblesse ou de passivité. Autrement dit, il faudrait accepter la violence des hommes s'ils sont musulmans, si l'on ne veut pas qu'ils se sentent humiliés et deviennent violents. Cette phrase est juste ultime, quoi. Et 2 points pour expliciter ça, l'activisme pour des causes ethniques et islamiques, même lorsqu'il a été conflictuel, a accéléré l'intégration musulmane. Une telle participation permet de s'engager dans d'autres formes de participation civique et politique. Alors que la politique identitaire musulmane peut être un déclencheur important pour la mobilisation et la participation, le processus de participation est en soi transformateur et les individus sont alors plus susceptibles de s'engager dans des processus plus larges d'engagement civique. Il en conclut ainsi que le salut du Royaume-Uni réside dans la religion, et que les autorités religieuses peuvent résoudre le problème de la radicalisation. Donc 2 points encore, la qualité de la confiance du leadership religieux sont essentielles, parce que le succès de la lutte contre la radicalisation consiste à fournir aux musulmans les connaissances et les idées nécessaires pour affronter les groupes extrémistes. Il peut ainsi, sans fin, allumer l'incendie en prétendant l'éteindre. Ça, c'est vraiment ultime quand même, hein. On se fait tellement canaliser, c'est magique.
Magique, magique. Magikarp, je vous mets de quenelle bien au fond. Oh, putain. C'est chaud, patate, c'est chaud, franchement. Ces trois textes là que j'ai lus, le texte de Bolen Sansal, ensuite le texte là entre Richard Malka et Rémi Brague, et ces extraits de l'islam sous influence frériste de Florence Bergaud-Becler, c'est juste un truc de fou. Je vais bien tout extraire, faire une belle vidéo, parce que là, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, sans parler de ça là. Non, c'est vraiment passionnant, il y a beaucoup, on voit bien l'entrisme qui se répand là. En tout cas, je connaissais pas du tout ce truc aussi de 1980. 1980. C'est où ça? C'est vraiment passionnant le truc en 1980 qui a été fait au Qatar. Voilà, c'est là. Qui vient de l'ISESCO là. ISESCO, je connaissais pas. Qui veut dire, on rappelle, Islamic Educational Scientific and Culture Organization. Karawadi. Kardawi. Karadawi, pardon. La technique d'usure des démocraties séculières par les frères s'élabore autour du droit à la différence. Vers la fin des années 80, les frères européens ont rédigé une stratégie pour renforcer le sentiment d'appartenance. Mais on n'a jamais entendu parler de ce truc-là. Personne n'en parle de ce truc-là. Okay, il y a un texte en fait, il faudrait le trouver ce texte. C'est vachement intéressant de le lire. Je pense que je le ferai pour la prochaine enquête. Je chercherai ce truc-là. En tout cas, voilà, c'est un truc de fou. Donc, fin de la vidéo. Par rapport à ça, n'oubliez pas de partager, de liker et de continuer à vous informer sur les problématiques. N'essayez pas d'être dogmatique comme peuvent l'être les gauchistes et d'essayer de voir plus en profondeur. Parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont certainement des connaissances de musulmans qui pouvaient être des Français en fait. Et en fait, en gros, là, on voit bien que les fréristes, en fait, ils profitent du fait de la différence qui a été de plus en plus prononcée, plus les attentats et le fait qu'on se sépare de plus en plus, c'est la véritable partition hein, de toute façon, hein, pour pouvoir encore plus prononcer cette partition, quoi. Et qu'au final, les terres d'Europe soient islamisées. Donc c'est très très compliqué, hein. Très très compliqué comme sujet. Bon, en tout cas, sinon, on va passer sur un autre sujet là. Sur un truc Damien Rieu que les gauchistes ne supportent pas parce que voilà, ils arrivent à le piéger, que c'est forcément un gros bâtard, ils disent, on s'en fout. En tout cas, ce qu'il arrive à faire sortir, c'est quand même assez intéressant avec Reconquête aussi. Donc là, je pourrais faire un extrait aussi de cette partie-là. Où, voilà. Donc en fait, il a commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 semaines à peu près, il y a eu un truc qui s'est passé dans le Gard, à Nîmes, je crois que c'est à Nîmes, ou dans le Vaucluse peut-être. En tout cas, voilà, près de la Provence, hein, de toute façon, cette région totalement partitionnée, grand remplacée, une conférence qui devait avoir lieu par des islamistes, en fait. Donc là, on les voit, les islamistes. Et apparemment, ils ont réussi à l'interdire, et maintenant, ça se redéplace à Grenoble. Donc, bonsoir, préfet 38, allez-vous laisser de dangereux prédicateurs islamiques faire une nouvelle tentative d'organisation de cette conférence? Dimanche 29 janvier. Imam Ismail, le véritable crâne d'Allah, Nader Abou Anas, je ne ressens plus rien dans mes adorations. Conférence à Grenoble. C'était en des buvettes, là là. Ah, c'est classe, hein, ils ont une belle. C'est des belles trucs. Et donc, en fait, il y avait eu ce truc-là. Alors, on va aller partir directement sur ça parce que sinon, ça va pas marcher. Pour qu'on voit, donc, c'est le mec, c'est lui, là. Qu'est-ce qu'il a dit? On va écouter ce qu'il a dit. Je n'étais pas levé ce matin à la prière de l'Fajr. Tu as dit, c'est bon, je me lève à 8h, 9h. Quand je me lève, je fais la prière à ce moment-là. Dis-toi que ce péché-là, les Sahaba se sont posé la question. Est-ce que c'est le plus grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam? Plus grave que d'avoir tué une centaine de personnes? Plus grave que d'avoir consommé de l'alcool? Plus grave que d'avoir consommé de la drogue? Que d'avoir vendu de la drogue? Que d'avoir déclenché je ne sais combien de guerres? Ou alors, est-ce que carrément la personne elle doit refaire la shahada? Oui, bonjour, c'est vendredi, je viens à la mosquée pour me convertir à l'islam. Oui, c'est ici. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ne délaisse pas la prière volontairement. Oui, ah oui, d'accord, c'est quand même violent. L'imam Ismaël de Marseille qui déclare que tuer 100 personnes est moins grave que de manquer une prière. Très bien, une conférence ce dimanche à Grenoble. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a impliqué ce soulèvement-là de Reconquête?
serait de l'islamo-droitisme à Valence. Comme à chaque fois, la presse locale, qui n'a fait aucun travail d'investigation dans ce dossier, relaie complaisamment la défense du baron du coin pour le protéger sans même me contacter. Dérouler ma réponse à chaque reproche. Alors, école musulmane de Valence, l'opération de désinformation de l'extrême droite et Damien Rieu. Ah oui, non, là, ça, c'était sur un autre sujet. Attendez. On va regarder ça après. C'est quoi ça? Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle concernant votre interview de Mohamed Tataï. C'est bien vous qui l'avez réalisé? Oui. Oui, alors en fait, je voulais vous appeler parce qu'en fait, je suis un petit peu surpris de ne pas voir certains éléments. La première premier élément qui m'apparaît manquer dans votre interview, c'est que vous ne l'interrogez pas quand il dit que le 11 septembre est une fabrication. Je sais pas, moi, c'était pas du tout dans les propos qui... Est-ce qu'on a, on fait référence à la même chose? Ah bah, c'est dans... C'est un autre prêche. C'est un autre prêche, mais... Excusez-moi. Moi, je fais référence à, une minute quatre de propos oui. qui ont été pris dans un prêche de 40 minutes qui ont été publiés par un site oui. qui s'appelle Memory. Oui. Lequel site Memory, on pense qu'on en veut, mais a été largement contesté à plusieurs reprises dans la presse, Merde. Notamment en raison de la personnalité de son fondateur et de son directeur. Mais attendez, la traduction, c'est la traduction. Quand on a le SRPJ de Toulouse et le ministère de l'Intérieur qui disent que les propos sont antisémites, c'est que les propos sont antisémites. C'est pas le site Memory qui a inventé les propos. C'est pas le site Memory qui a inventé les propos, c'est le site Memory qui les a sortis de son contexte et qui en a pris 1 minute 4 sur 40 minutes. D'accord, donc le ministère de l'Intérieur qui dit que les propos sont antisémites dans votre journal, hein, c'est marqué. Il dit pas ça, il dit les propos cités sont antisémites. Ah, d'accord, ah ouais, d'accord, ok. Bah, c'est pas pareil, hein. il faut tout lire, hein. Vous savez, monsieur, quand on lit un article, il faut tout ouais, lire. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit marqué comme ça, mais enfin, ok. Bon, alors, en tout cas, moi, j'ai d'autres éléments à vous soumettre, puisque vous avez peut-être pas dû ou pas eu le temps de regarder ça, mais par exemple, il dit que le 11 septembre est une fabrication dans un autre prêche. Je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Ah d'accord, vous interrogez quelqu'un et avant vous préparez pas votre interview en enquêtant un petit peu. Alors attendez, qu'est-ce qui vous dit que je n'ai pas préparé mon Bah c'est que vous n'êtes pas au courant de ce dont je vous parle, ça me paraît important quand même. Quoi comme métier, monsieur? Oh, moi je travaille dans rien à voir avec le journalisme, mais en tout cas je suis un peu étonné que vous prépariez pas votre interview. Vous faites quoi comme métier, vous, monsieur? Je travaille dans la communication, monsieur. Bon ben voilà, ben moi je vous fais. Il est chaud patate, hein, Damien, il va avoir des soucis à force. Hein. Pas de raisonnement sur comment il faut communiquer. D'accord, bon, alors je vous donne d'autres éléments. Il cite par exemple le prédicateur Youssef Al-Qaradawi. Ce que vous me citez là, c'est paru où, quand, sous quelle forme? D'accord, bah si vous voulez, je vous envoie un mail avec les liens. C'est un autre prêche, hein, c'est un autre prêche qui a été traduit également. Je crois que par le site Memory aussi. Donc c'est une autre vidéo. Alors ensuite. Ouais, d'accord, ouais. Autre... D'accord, mais enfin, bon, est-ce que parce que s'il s'agit, si vous voulez, de 1 minute 4 sortie d'après, de 40 minutes qu'on balance après pour dire voilà, il tient tel ou tel propos, moi, l'objectivité de Memory, pour moi, elle est à mettre sur le même pied d'égalité que l'objectivité de M. Tataï. Bah, en tout cas, c'est ce que dirait M. Tataï, il dirait pas mieux que vous. Donc c'est intéressant de voir que vous, journaliste, vous reprenez exactement les éléments de langage de M. Tataï. Mais à la limite, ça c'est votre problème. Non, moi, je ne reprends pas les éléments si, de langage. Si, si. C'est d'ailleurs pas des éléments de langage, ce sont des phrases. Bon. Les éléments de langage, ça permettez-moi de vous le dire, ça s'appelle du langage de communication. D'accord. Alors j'ai d'autres éléments à vous donner. Par exemple, quand M. Tataï cite le prédicateur interdit de séjour en France, Youssef Al-Qaradawi, vous ne l'avez pas interrogé sur ce sujet. Ah oui, ah non, il dit où, quand, comment. Je sais pas, mais je vais vous envoyer un lien. Donc j'ai votre mail, donc je vais vous envoyer le lien, il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas, moi je vous demande, il le cite. Non. Bah, où quand comment, je vais pas vous réciter l'URL exacte de la vidéo, donc je vais vous l'envoyer sur votre boîte mail. Et comme ça. C'est comme... pas l'URL que je vous demande, moi c'est l'éditeur de la vidéo, c'est pas l'URL. Bah, ce sont les prêches, c'est un prêche vidéo qui a été traduit, donc je vais vous envoyer le lien sur votre boîte mail, comme ça vous l'aurez, il n'y aura pas de problème, et je vais le diffuser également.
Autre élément, donc il faut savoir que Youssef Al-Qardaoui, quand même, c'est quelqu'un qui prescrit le meurtre des apostats, des juifs et des homosexuels. Hein, et lui, il le cite dans ses prêches. Donc ça me paraît être quelque chose d'intéressant. Autre chose, en 2011, dans un prêche, il a dit que la démocratie était une religion bizarre. Voilà, donc des propos aussi contre la démocratie. Il a dit ça où, quand, comment? En 2011, c'est sur le site de la grande mosquée de Toulouse.fr. Vous allez voir, il y a un prêche, le 4 février 2011. Voilà, la démocratie est une religion bizarre. D'accord. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup c'est d'éléments. Donc je vais vous envoyer le lien pour Youssef Al-Qardaoui. Alors je vous rappelle que... Ok, donc on va en continuer en lisant. Il y va bien, hein, putain, c'est impressionnant ce qu'il fait. Le projet validé, puis donc alors, école musulmane de Valence, l'opération de désinformation de l'extrême droite et de Damien Ruel. Le projet validé, puis avorté de l'école d'école musulmane à Valence, continue de faire des remous sur les réseaux sociaux samedi 21. Oh, c'est encore différent, je me suis encore embrouillé. C'est ça que j'aurais dû mettre là aussi. Donc ça c'est « Bonjour préfet 38, allez-vous autoriser la conférence ce dimanche à Grenoble de l'imam de la mosquée des Bleuets, Ismaël, qui veut interdire les relations hommes-femmes ?» Les Bleuets c'est à Marseille, c'est le mec qu'on a vu juste avant là. Bismillah, concernant les discussions hommes-femmes, la plupart des ulama ici préfèrent l'interdire dans le but de fermer la porte à tout ce que ça peut amener comme mal, et c'est personnellement ce que je prône. Voilà, regarde. Voilà, voilà. Je pense que ça serait bien. Pas mal, pas mal. Donc voilà, donc on est bien. Ça va bien loin. Donc ça aussi, appel le journaliste. Donc ça, c'était ce qu'on a vu. Damien Rieu interpelle le journaliste de la Dépêche du Midi, trop complaisant avec l'imam antisémite de la grande mosquée de Toulouse. Mohamed Tahiti, donc ça c'est autre chose. Et après il y avait tout ce truc là, selon Thibaut Carrage, le maire s'est rendu à la mosquée de Valence. Donc ça c'est tout le truc sur la mosquée, donc voilà. Ah oui, c'est une vieille vidéo, d'accord. On va quand même le lire. Le projet validé puis avorté de l'école musulmane à Valence continue de faire des remous sur les réseaux. Samedi 21 janvier, le militant d'extrême droite Damien Rieu a publié une vidéo d'avant la mosquée, un clip dans lequel les raccourcis et les erreurs sont nombreux. Selon Thibaut Carrage, le maire s'est rendu à la mosquée de Valence en 2015 après une attaque et pas en 2016. Pas en 2017. Faux, il s'est rendu plusieurs fois. Mais ma photo, c'est en mai 2017. Jolie fake news. Donc gênant quand on fait des leçons, non? Damien Rieu affirme que le maire n'a pas hésité à prêcher dans la grande mosquée après vérification. Nicolas d'Aragon s'était rendu dans le lieu culturel de Valence le 2 janvier 2016 en compagnie des représentants de la préfecture de la Drôme. Le motif de cette réunion publique, quelques jours plus tôt, une attaque s'était déroulée devant la mosquée, blessant plusieurs La femme d'ailleurs ne travaille pas, elle fait un travail, mais elle aussi adjointe à la santé de la mère, donc... Bon, en tout cas, voilà, je mettrai le lien. Il y a encore un autre truc. Donc là, les trois attaques, on va dire, les deux ou trois attaques envers l'islamisme que Damien avait fait avec les reconquêtes. On verra bien si cette conférence à Grenoble aura lieu. Il a l'air très sympathique, ce monsieur. Ok. Bon, ben, on a bien vu ça aussi. C'était quand même pas mal. Il y a de quoi faire. Et sinon, si on retourne... Oh là là, mais il y a un milliard d'articles. C'est la folie, quoi. Bon, je vais m'arrêter dans pas longtemps parce que là, ça fait déjà presque 3 heures que je live. On va pas. C'est vrai que le sujet était important, comme d'hab. Normalement, j'aurais dû faire la rubrique France Orange Mécanique, mais là, il y a trop de trucs encore. Putain, c'est pas possible, quoi.
Nancy, un migrant afghan de 28 ans, jugé pour le viol de Delphine, 18 ans, dans un foyer de travailleurs. Delphine, 18 ans, au moment des faits, un arrêt ce jeudi, cette nuit de mai 2020, au cours de laquelle elle assure qu'Aziz Azizi, un migrant afghan pensionnaire du même foyer qu'elle, lui a imposé une fellation. L'accusé a présenté une toute autre version. Voilà. Ça a l'air très joyeux. Attentat contre une synagogue à Jérusalem-Est. Au moins 7 morts et plusieurs blessés par balle. Et ben, comme ça c'est hier, l'attaque a été revendiquée par le Hamas. 7 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées. Nouvelle escalade dans les affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Ce vendredi soir, une fusillade a fait 7 morts et plusieurs blessés dans un quartier de Jérusalem-Est près d'une synagogue. L'attaque a eu lieu pendant les prières du début du Shabbat. Les services d'intervention d'urgence Magen David Adom ont déclaré que l'assaillant avait été neutralisé vers 20h30. C'est la folie. Article suivant. Le service antiterroriste s'alarme du profil des dernières femmes djihadistes rapatriées de Syrie par la France. Magistrat et enquête soulignent l'extrême radicalité de ces pionnières de l'État islamique. Putain. Photo de famille. Magistrats et enquêteurs soulignent l'extrême radicalité des dernières femmes rapatriées en France. 15 sont rentrées et 32 enfants. Des profils lourds et alarmants résistant aux récurrentes tentatives d'euphémisation. Il faut en finir avec la légende des femmes qui rentrent désormais du camp des nord-est de la Syrie qui seraient des victimes de Daesh et du choix tardif de la France à les faire rentrer. Soulignent sous couvert d'anonymat enquêteurs et magistrats de l'antiterrorisme. Leur couperet est aiguisé, huilé d'informations précises. Celles qui rentrent le font parce qu'elles n'en peuvent certes plus des conditions de vie dans les camps, qui sont extrêmement difficiles, et parce qu'elles ne voient pas comment continuer leur combat sur zone. Pour autant, elles demeurent profondément ancrées dans leur radicalité terroriste et islamiste. Ce sont des hauts profils principalement désormais les épouses d'hommes ayant eu des responsabilités au sein de l'État islamique. Pour certaines pionnières de l'État islamique, elles ont contribué activement à le forger et à le défendre jusqu'au bout. Ce sont celles qui ne se sont pas rendues même lors de la bataille de Baghouz. Prêtes à combattre jusqu'à la mort, quitte à voir leurs enfants mourir alors qu'elles avaient la possibilité d'être exfiltrées. La France a désormais affaire à des femmes endurcies, vétérans de la première heure, avec une personnalité et un tempérament qui impressionnent les enquêteurs. Des femmes constantes, dans leurs engagements parties très tôt, dès les années 2013-2014, restées très longtemps sur zone. Elles y ont joué un rôle structurant pour construire l'État islamique, l'administrer puis le prolonger dans les camps après 2019, en y instaurant une politique de terreur absolue. On ne compte plus les dossiers où figurent ces combattantes posant avec Kalachnikov et bébé dans les bras. Enfin, certains ont commis des actes et tortures, voire pire, sur leurs esclaves domestiques. Elles ont également joué un rôle extrêmement actif dans l'éducation des lionceaux du califat et dans leur endoctrinement. Ça rappelle vraiment la jeunesse hitlérienne, quoi. Très précoce par le visionnement de vidéos notamment. Les mineurs qui rentrent aujourd'hui en France s'inquiètent eux aussi plus que par le passé, les autorités françaises. En 2019, la politique de la France était le rapatriement de ceux en très très bas âge. Aujourd'hui, par la force des choses, les mineurs rapatriés sont plus fréquemment des adolescents et des préadolescents, donc marqués par la vie au temps de Daesh, puis par les camps qu'ils ont exposés à la violence et à la radicalité islamiste. Sur la dernière vague de rapatriés, 3 ans ou plus de 13 ans. Putain, c'est un truc de malade. Article suivant. Le Havre, effectuant une démarche administrative au tribunal, il menace le personnel présent et déclare qu'il va revenir avec le sabre d'Allah pour découper la police et la justice. L'atmosphère était pour le moins étrange lundi 23 janvier au moment de la comparution immédiate d'un sans domicile fixe de 45 ans. Celui-ci comparaissait pour menace de mort et menace de crime en récidive à l'encontre des représentants du système judiciaire. Mercredi 18 janvier, alors qu'il effectuait une démarche administrative au sein du palais de justice, l'homme s'en était soudainement pris au personnel présent, lançant qu'il allait revenir avec le sabre d'Allah pour découper la police et la justice. Lors de ses auditions en garde à vue au commissariat du Havre, puis de l'audience en comparution immédiate de lundi, l'homme a fait plusieurs fois référence au jugement divin et à l'au-delà. Il était déjà bien connu du tribunal pour différentes affaires, y compris des faits similaires de menaces contre les représentants de la loi. Il a demandé à rester dans les geôles et n'est pas revenu dans le box au moment où sa peine a été prononcée, 24 mois de prison avec maintien en détention. Le courrier cauchois. Tout va bien.
Ok. Autre article. Alors, Rennes, Calédin, Saïka, Dada, Sakidad, un migrant livreur Uber Eats condamné pour le viol d'un SDF, d'une SDF de 19 ans. On a des SDF de 19 ans maintenant. C'est magnifique. Alors, abordé par le livreur, le procès s'est tenu pendant 2 jours devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Reconnu coupable de viol, Khaledine Sakida a été condamné lundi 23 janvier à 2023 à 10 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français conformément aux réquisitions de l'avocat général. Abordé par le livreur qui lui propose à manger. Les faits remontent au 23 novembre 2020. Ce soir-là, vers 22h, une jeune femme sans domicile fixe raconte au policier qu'elle a été victime d'un viol quelques instants plus tôt près de la gare de Rennes. La jeune femme, en larmes, explique qu'elle a été abordée par un livreur Uber Eats qui lui a demandé si elle voulait quelque chose à manger. Sur un parking, il lui a imposé une relation sexuelle. Elle n'avait pas osé se défendre ou crier car elle avait peur qu'il se montre violent. Ouest France. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça fait vraiment enchaîner, quoi. Société, à l'université, donc article sur un, on ne se sent pas toujours à sa place en tant que personne de couleur. Contrairement au principe universaliste qu'il défend, l'enseignement supérieur est loin d'être épargné par les discriminations liées aux origines et manque de dispositifs pour les contrer selon le monde. Myriam Amara, 18 ans, ne compte plus le nombre de fois où on lui dit qu'une arabe à l'université était une erreur, qu'elle ne venait pas pour la bourse, que ses parents grattaient l'État et qu'elle prenait la place de quelqu'un d'autre. Certains profs la considèrent comme exotique. Parfois, lorsqu'elle se rend à des conférences à la Sorbonne, l'étudiante en géographie se fait tutoyer, alors que le mec blanc qui passe derrière toi a droit à toutes les formules de politesse qui existent sur Terre. Son camarade, Wade Mulongo, 20 ans, lui aussi étudiant à la Sorbonne, constate « Quand tu es noir et que tu t'exprimes mieux que d'autres personnes, tu passes pour le bounty. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Un jour, j'ai pris la parole et c'est une camarade noire qui me dit « Tu fais trop ton Philippe ». Ça m'a titillé, je l'ai calmé tout de suite. Johan Victor, 19 ans, confirme. En France et surtout à l'université, on ne se sent pas toujours à sa place en tant que personne de couleur. Là, des remarques comme « tu n'avais qu'à rester étudier chez toi, c'est bête de quitter la chaleur pour venir ici » ou bien « tu parles vachement bien français pour un entier ». L'étudiant en géographie a fini par rentrer en Guyane pour intégrer une école de commerce. Fatima Diallo, quant à elle, a été ulcérée par un cours sur l'Afrique sahélienne où l'enseignant affirmait que la colonisation, si elle a parfois été source de douleur, a apporté un vent de modernisation par sa mission civilisatrice. D'après l'étudiante de 22 ans, plus on avance sur l'échelle des diplômes, licence, master, doctorat, plus il est rare de trouver des étudiants noirs. Elle était ainsi la seule femme noire dans son master de géomorphologie qu'elle décrit comme une véritable calvaire où il fallait constamment démontrer que les étudiants noirs sont aussi excellents, voire meilleurs que les autres camarades, contrairement aux stéréotypes véhiculés. Ces témoignages sont tirés de l'essai « Ouvrir la voie » de Candice Bosson, 4, publié chez Mourum 2001. Lorsqu'elle était inscrite en master à Sorbonne entre 2017 et 2019, la tutrice de méthodologie pour l'UFR de géographie a voulu comprendre pourquoi il y avait si peu d'étudiants noirs dans certains hauts lieux du savoir français. Bah parce qu'ils sont moins déjà, mais bon, a priori aussi, c'est comme les prolos, quoi. Dans son mémoire, la jeune femme de 25 ans a donné la parole à une minorité étudiante, peu visible et peu entendue, qui cherche à gravir les échelons d'une société qui étouffe bien trop souvent sa voix. Le monde. Ok, ouais. Alors, on entend les muettes. On continue dans les joyeusetés. Un migrant algérien clandestin viole une passagère de 19 ans dans un TER à Lyon-Grenoble. Mercredi, une femme de 19 ans a été agressée sexuellement par un jeune homme dans un TER qui reliait Lyon à Grenoble, indiqua le Progrès de la SNCF confirmant une information de Lyon Mag. Le suspect était, la victime avait pris le TER 1700 machin, reliant 17639, reliant Grenoble à Lyon, en gare de Lyon par Lyon. Il s'agissait du train de 19h45. Elle aurait été embrassée et pénétrée de force. Elle a averti un contrôleur qui a alerté la police. Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, a indiqué que le mis en cause de 19 ans algérien en situation irrégulière sans condamnation au casier judiciaire sera jugé par le tribunal correctionnel à l'audience du 20 mars 2023. Dans l'attente de son jugement, il a été placé en détention provisoire. Il nie les faits évoquant une relation consentie. Le Progrès. Ah oui, c'est vraiment le Progrès, ça.
Alors, à notre article. Mantes-la-Jolie, 78. Un homme frère d'un dealer interpellé appelle le commissariat et menace de mort les policiers et leur famille. Un homme bien connu du service de police a appelé à plusieurs reprises, mardi 24 janvier, le commissariat de Mantes-la-Jolie pour y proférer notamment des menaces de mort à l'encontre de policiers et leur famille, a appris CNews de sources policières. Un acte qui pourrait s'expliquer par l'interpellation du frère du suspect la semaine précédente. Il a par la suite été reconnu par un policier et interpellé le lendemain des faits dans l'après-midi. Le suspect, âgé de 39 ans, est le frère d'un homme interpellé la semaine précédente lors d'une opération de police effectuée sur la pointe de deal dit La Centrale, dans un des quartiers de la ville, toujours selon la source policière. D'après cette dernière, l'incarcération de son frère et la saisie des biens ont dû fortement contrarier. L'auteur présumé des appels et le mis en cause est également connu des services de police depuis plusieurs années comme ancien délinquant. C'est magique quand même, hein. C'est vraiment, c'est l'enchaînement quoi. Chalon en Champagne, 51. Un adolescent de 16 ans grièvement blessé après avoir été poignardé en pleine rue, un mineur de 12 ans mis en examen. Wouah! 48 heures après l'agression d'un jeune de 16 ans, mercredi quartier Orléans à Chalon en Champagne, un mineur de 12 ans a été mis en examen pour violence aggravée. L'agression s'est produite mercredi à la mi-journée, rue du lieutenant Pierre Loyer, quartier d'Orléans à Chalon en Champagne. Un adolescent de 16 ans est grièvement blessé à l'arme blanche. Il aurait reçu plusieurs coups de couteau. 48 heures après les faits, on apprend qu'un jeune de 12 ans a été mis en examen pour violence. Aggravé par trois circonstances. Violence avec arme, préméditation et réunion. Et en réunion. Deux autres adolescents, un majeur de 18 ans et un mineur de 17 ans, sont mis en examen pour complicité de violence avec arme précise, le procureur de Chalon en Champagne. France Bleu. C'est pas France 2 qui va parler de ce genre de choses, ce n'est pas possible. Article suivant. Je vais te saigner. À Jijan, 34. Couteau à la main. Un enfant aurait menacé sa camarade en pleine classe. Le rectorat minimise. Waouh. Mais c'est un truc de fou ce pays. L'affaire se serait produite ce lundi 23 janvier dans une école élémentaire de Jijan. Des plaintes ont été déposées en gendarmerie ce mercredi 25 janvier, tandis qu'un collectif de parents d'élèves s'est monté. Mis au courant, le rectorat de l'académie de Montpellier fait le point sur cet incident. Ah, c'est dans l'Hérault. Toujours aussi rassurant. On va vite se casser. Au sein de l'école élémentaire d'Haroun Tazieff de Jijan, parents, enfants et personnel éducatif sont en émoi. Lundi 23 janvier, dans une classe de CE2, un enfant avait un couteau dans son cartable. Il l'a sorti et a menacé la maîtresse ainsi que plusieurs élèves, rapporte cette tante d'un élève présent ce jour-là. Il a textuellement dit à mon neveu de 8 ans « Je vais te saigner ». Des faits qui ont conduit à l'intervention sur les lieux de la police municipale de Jijan. Rapidement prévenus, les services du rectorat de l'académie de Montpellier donnent de leur côté une vision différente de la situation. Précisant que si un élève est bien arrivé en classe avec un couteau en poche, l'objet très rapidement repéré a été immédiatement récupéré sans heurts par son enseignante. L'élève n'a pas menacé ses professeurs et n'a pas été violent avec les adultes ou ses camarades. Aucun autre objet dangereux n'a été trouvé par la police municipale. Face au désarroi des familles qui ont vu revenir l'enfant en classe ce mercredi 24 janvier sans explication envers les parents d'élèves qui sont aujourd'hui craintifs et étonnés de n'avoir aucune information concernant le suivi de l'incident envers la maman et l'enfant. Au moins deux plaintes pour menaces ont cependant été déposées en gendarmerie ce mercredi 25 janvier consécutivement à ces faits. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce dossier. Un collectif de parents s'est par ailleurs monté en réponse à cet épisode. C'est un truc de malade à 8 ans. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Là, il y a un article, c'est si l'intelligence artificielle ChatGPT votait, ce serait pour Macron ou Mélenchon. Truc de fou, quoi. Pays de malades. Polémique à Lyon, Salah Hamouri, condamné pour avoir projeté d'assassiner un rabbin invité à une conférence organisée par la ville. Le grand rabbin de Lyon accuse le maire ELV d'attiser les tensions communautaires. Ça, c'est le maire de Lyon. Alors, exclu, Daniel Grahan. Grand rabbin de Lyon quitte le groupe interconfessionnel Concorde et Solidarité à travers lequel les représentants des grandes religions et le maire de Lyon s'étaient engagés depuis des années à œuvrer à la paix sociale. Une décision qui intervient après l'annonce de la participation de Salah Hamouri à une table ronde organisée par la ville sur les terroristes et les territoires palestiniens qui risquent, juge le grand rabbin, d'attiser les tensions communautaires. Dans un communiqué du Progrès,
que le progrès a pu lire en avant-première, Daniel Dahan, grand rabbin de Lyon, confie « C'est avec une infime tristesse et beaucoup d'inquiétude pour le futur que je me résous à écrire aujourd'hui. Les événements que nous vivons sont d'une extrême gravité et sont porteurs de tensions pour l'avenir. De quoi s'agit-il? J'apprends mardi 24 janvier par un communiqué municipal qu'un individu sympathisant de mouvement terroriste condamné en Israël par la justice pour avoir projeté d'assassiner un grand rabbin d'Israël est expulsé par la suite en France. Il possède la nationalité française. En raison de son appartenance au FPLP, organisation reconnue comme terroriste tant par l'Union Européenne que par la France. Cette personne est invitée par le maire de Lyon pour parler des 30 ans des accords d'Oslo, regard sur la Palestine. Il continue. On peut s'étonner de la tenue d'une telle réunion qui, au regard de ses participants, est notoirement unilatérale, mais que penser de la justice de cette affaire? Ce matin, on a vu de l'émotion suscitée par cette réunion. La municipalité a décidé d'inviter un membre qualifié de la communauté juive. Je m'étonne à plus d'un titre que cette annonce. Autant que je le sache, la communauté juive est composée de citoyens français, à moins que M. Doucet ait décidé de nous déchoir de notre nationalité. Dans ces conditions, il ne peut s'agir que d'une personne déléguée par l'ambassade d'Israël pour parler dans un débat réellement contradictoire, mais certainement pas avec une personne affiliée à une organisation terroriste. On ne peut pas que s'étonner que le maire de Lyon, censé garantir la paix civile dans la cité, soit à l'origine de cette invitation qui risque d'attiser les tensions et le réveil et de réveiller les antagonismes. Une polémique qui enfle depuis mardi. Salah Amouri, activiste politique franco-palestinien, soutenu en France notamment par l'extrême gauche, a été invité par le maire, la mairie de Lyon, pour témoigner lors d'une table ronde portant sur la situation des territoires palestiniens 30 ans après les accords d'Oslo. Elle aura lieu le 1er février. Et on a vu la réaction du grand rabbin de Lyon. Le progrès, oui, c'est toujours le progrès, hein, c'est vraiment le progrès. Donc apparemment Gérard Darmanin est très choqué par le chat qui s'est fait écraser. Ensuite l'actrice et militante féministe Jane Fonda, sans racisme il n'y aurait pas de crisme climatique. Bon, ça c'est plutôt à mettre dans les trucs drôles on va dire. C'est une blague. Alors le fils d'Edouard Dupond-Moretti en garde à vue, ok, bon. Le fils d'Edouard Dupond-Moretti placé en garde à vue. Campus, ok, donc on va voir ça. L'arnaque de l'étude de Campus France montrant que la présence d'étudiants étrangers rapporterait un bénéfice net de 1,3 million à la France. La solde de cette filière d'immigration est en réalité certainement négatif. Récemment, Campus France, organisme qui fait venir les étudiants étrangers en France, a publié une étude affirmant que ceux-ci rapportent un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros grâce à leurs études en France. Un lien vers l'étude. Ce qui nous coûte, les dépenses publiques sont quant à elles évaluées selon cet autre tableau. Ok, donc c'est ultra long, donc je vais pas rester là-dessus, donc ça peut être intéressant ça. Ah d'accord, c'est les tweets, ça fait chier au fur et à mesure, ok. Ok, donc ils publient toutes leurs trucs. Ce qui nous coûte, les dépenses publiques sont quant à elles évaluées selon ce tableau. Pour les recettes, elles paraissent nettement surévaluées. Les cotisations sociales sont calculées sur la base des revenus du travailleur déclarés par les étudiants auxquels Campus France applique un taux de 28%, soit une recette évaluée à 375 milliards. Sauf que pour des petits boulots qui sont généralement payés au SMIC, le vrai taux de cotisation s'élève plutôt à 22%, avec ce taux de recette dégringole déjà de 80 millions d'euros, déjà moins sexy. Non, c'était millions d'euros, pardon. Pour les recettes, elles paraissent nettement surévaluées, blablabla. Bon, il y a un énorme fil en fait à suivre, quoi. Pour aller voir cette arnaque. Donc en fait, il y a toujours plus de trucs qui essaient de nous imposer l'immigration, toujours. Ça doit être assez intéressant à aller voir. Alors, un autre article qui a l'air très sympathique. Vitry 94, un clandestin sous OQTF cherche désespérément à être expulsé, mais la police ne peut pas faire grand-chose. Le Tunisien annonce qu'il recommencera à forcer des habitations tant qu'il ne sera pas renvoyé dans son pays. Ah, mais c'est quoi ce délire? Waouh. Dans le Val-de-Marne, une femme a vu sa maison squattée par une personne visée par une OQTF. L'homme a avoué être entré pour chercher de l'argent, un endroit où dormir, mais aussi pour attirer l'attention de la police afin d'être envoyé dans son pays d'origine. Immédiatement, le propriétaire de la maison squattée a appelé la police qui est venue interpeller cet homme, 26 ans, d'origine tunisienne. Il aurait indiqué être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, mais que son pays d'origine refuse de l'accueillir. Ce jour-là, lorsque Karine regarde les caméras de surveillance, mais bon, c'est pas grave, ça, c'est à voir si vous voulez. L'homme a agi exprès pour exceller son OQTF. L'homme en situation irrégulière explique être entré dans la maison pour chercher de l'argent, un endroit où dormir, mais surtout pour quitter attirer l'attention de la police. En effet, cet homme qui fait l'objet d'une OQTF depuis novembre dernier souhaite être envoyé chez lui en Tunisie, alors que cette procédure n'a jamais abouti.
La police m'a dit qu'ils le mettaient en garde à vue, mais qu'après, il allait le relâcher puisqu'il avait de faux papiers et qu'ils ne pourront pas faire grand-chose derrière, a rencontré le propriétaire des lieux dépité. Depuis, la propriétaire n'ose plus entrer seule dans sa maison. Et pour cause, l'homme assure qu'il recommencera tant qu'il ne sera pas renvoyé dans son pays d'origine. C'est énorme. C'est énorme. Putain, mais combien il y en a eu d'articles, là. Oh, c'est la folie. Oui, ça, c'est pas mal, ça. Alors, on va regarder ça après. Je m'arrêterai jamais, en fait. Hein. C'est impossible, il y a trop de choses, quoi. France Inter, rien n'est plus faux que d'admettre les racines gréco-latines de l'Europe. Ah oui, ça a l'air pas mal, ça aussi. Bien sûr. C'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Attentat à Bruxelles, les enregistrements glaçants des terroristes peu avant l'attaque, les djihadistes préféraient ne pas attaquer la Belgique pour leur bas de repli. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Wouah! Wouah, c'est quoi ça? CAF, mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner? Mon Dieu, mais putain. Mais c'est quoi ce pays complètement pété en deux? Ah, apparemment, il y a eu un truc un peu qui va partir en couille. Bon, j'ai presque fini. Tac. On va quand même regarder ça aussi parce que ça a l'air assez incroyable. Alors, une nouvelle affaire George Floyd. 5 policiers inculpés pour meurtre après l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain. Biden appelle au calme. Et c'est les 5 policiers? Ok. Unlike in the case of George Floyd, Tyre Nichol was murdered. And every single one of these cops needs to be held accountable. The poll camera footage of the beating arrest of Nicolas. Ah ouais, putain. La ville américaine de Memphis se préparait vendredi 27 janvier à des manifestations en réaction à la publication prévue à la fin de la journée d'une vidéo montrant l'arrestation brutale par 5 policiers d'un Afro-Américain mort 3 jours après ce violent passage à tabac. La chef de la police de Memphis, Carly Davis, a prévenu que la vidéo montrant l'interpellation de cet homme de 29 ans était comparable, voire pire, à celle montrant l'arrestation policière violente de Rodney King en 1991. L'acquittement un an plus tard, des 4 policiers et impliqués déclencha des émeutes sans précédent à Los Angeles. Une nouvelle affaire George Floyd, pour l'interrogation, 5 policiers ont été inculpés et incarcérés jeudi pour meurtre à la suite de décès début janvier d'un Afro-Américain. Mais je comprends pas, ils sont tous blacks. Ils ont été formatés par les méchants blancs, c'est ça? À tuer des noirs. 7 janvier, les policiers depuis licenciés auraient voulu arrêter Tyre Nichol, afro-américain de 29 ans, pour une infraction routière. Alors que les agents s'approchaient, une confrontation avait eu lieu et le suspect s'était enfui, avait expliqué les forces de l'ordre. Rattrapé, Tyre Nichol avait finalement été interpellé, mais s'est plaint d'avoir du mal à respirer et avait été hospitalisé et était décédé 3 jours plus tard. Bon, je vais pas mettre la vidéo, mais c'est eux qui ont été arrêtés. Bon, ok. Alors, les attentats de Bruxelles. Donc ça, c'est pas... Il y a le procès en ce moment, je crois. Les enregistrements glaçants des terroristes peuvent... Avant l'attaque, les djihadistes préféraient ne pas attaquer la Belgique, leur base de repli. Ah non, c'est les attentats, attendez. Rue Max Rose à Schaerbeek. Nous sommes une semaine avant les attentats, entre le 13 et le 15 mars 2016. Najim Lachraoui, l'un des futurs kamikazes de Zaventem, utilise cet ordinateur pour enregistrer un message audio à destination de la Syrie. Celui qui est aussi l'artificier des attentats de Paris et de Bruxelles s'adresse au cerveau des attaques, Oussama Attar. Très sereinement, il fait le point sur la confection des explosifs. Ouais, en 10 jours à peu près, on a fait plus de 100 kg de RTP. Là, en tout, on a 130 kg. Donc, avant même la fin de cette semaine, on aura 200 kg de RTP. Maintenant, moi, je pensais aussi. Faire très bien le mouvement, tu vois, avec ses lignes, tu mets ça dans le fermeur, tu vois, une camionnette ou bien une voiture, tu vois, tu mets 600-700 kilos et tu déchires, tu vois. Plus loin dans l'enregistrement, Najim Lachraoui évoque les possibilités d'attentat. La Belgique n'est clairement pas la cible. Il faut éviter de taper la Belgique, tu vois.
comme ça, la Belgique, ça reste toujours une base d'orgueil. Tu vois, nous, ici, on connaît les frais, comme ça, la Belgique, ils peuvent avoir des appartements, etc. Tu vois. Ils préféreraient, tu vois, ils préféreraient se focaliser sur la France, tu vois, parce qu'il y a un double cours, tu vois. Et oui, ils veulent annuler cet euro, tu vois. Ce sera la première fois qu'une des nationales. À cette date, tout va bien, dit le terroriste à son émir. Mais les événements se précipitent. Le 15 mars, c'est la fusillade de la rue du Driss. Le 18, Salah Abdeslam et Sofiane Ayari sont arrêtés. L'étau policier se resserre sur les terroristes. Le 21 mars, Ibrahim El Bakraoui, l'autre kamikaze de Zaventem, enregistre alors plusieurs messages, dont celui-ci. On le sent aux abois. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours, donc on est un peu dans la précipitation. On ne sait plus faire quoi que ce soit ici, on est recherché partout, on n'est plus en sécurité, même un logement en sécurité on ne l'a plus. Et si on s'éternise, on risque de terminer à côté de lui dans une cellule. Et le terroriste conclut en appelant à frapper l'Occident par tous les moyens. Combattez avec les armes, si ça vous en procurez, prenez une grenade, jetez-leur dessus, tirez-leur des coups de feu, prenez un couteau, écorgez-les, venez par derrière, ouvrez-leur le crâne avec une hache ou avec une pierre, renversez leur voiture, tous les moyens sont bons. Dans la nuit du 21 au 22 mars, les deux kamikazes enregistrent un ultime message. Ils expliquent qu'ils vont passer à l'action dans la précipitation avec les 130 kg de TATP. Leurs cibles sont choisies, le métro et l'aéroport. Mon Dieu, putain. Si ça suffit pas, quoi, à comprendre la galère dans laquelle on est. Mon Dieu, mais quelle horreur, quoi. Putain, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Ok, bon, ben on va terminer sur 2-3 articles. Et après, je m'arrêterai parce que là, c'est vraiment très long. Alors, CAF, mon enfant étranger, comment bien l'accompagner? CAF, donc c'est sur la CAF, il y a ça, voilà. C'est magnifique. C'est bon à savoir hein, que notre pognon, il sert à ça. Alors, France Inter, dans toute sa magnifique science, France Inter, rien n'est plus faux que d'admettre les racines gréco-latines de l'Europe. C'est intéressant. Une idée reçue, construite a posteriori et intellectuellement inexacte. Donc nous sommes de culture helléno-grecque, helléno-romaine, gallo-romaine et helléno-romaine. C'est vrai que c'est pas... c'est quand déjà que les Grecs, ils ont... La cité phocéenne, je crois que c'est... Je vais pas dire de conneries, quoi. Plus de 1000 ans, quoi. Moins 1000 ans, puisque Rome, c'est moins 700. Les Grecs, voilà, c'est bien avant l'Antiquité. Donc je dirais plus de 1000 ans, quoi, avant Jésus-Christ. C'est vrai qu'on n'est pas du tout influencé par la culture grecque. Il n'y a pas d'identité latine. Alors, une idée reçue construite à posteriori et intellectuellement inexacte selon Florence Dupont. Au micro de l'émission Histoire 2, l'historienne de langue rappelle que déjà, durant l'Antiquité, Rome ne se réduit pas à une identité, mais à une altérité. Le romain est celui qui vient d'ailleurs. Oui, c'est un empire. C'est un empire. Il n'y a pas d'identité latine et romaine. Latine et Rome n'est pas une identité. Florence Dupont estime qu'il faut déconstruire les discours identitaires que l'on prête trop souvent à la littérature gréco-antique. Sur l'un, rien n'est plus faux que d'admettre l'expression des racines gréco-latines de l'Europe. Ah ouais, personne ne peut se prévaloir des... C'est vrai que la démocratie, tout ça, ça vient pas du tout de la Grèce, quoi. Personne ne peut se prévaloir d'être les héritiers naturels de l'antiquité gréco-romaine puisqu'ils avaient une vocation culturelle. Celle-ci était beaucoup plus universelle qu'on ne le pense. Cet usage d'une identité gréco-romaine est intellectuellement faux. Il y a une utilisation politique vaine. L'Europe occidentale n'a pas le monopole de l'antiquité. L'Empire romain s'est étendu absolument sur toute la Méditerranée et a servi de transmetteur en apportant toute une tradition des lettres latines et grecques qui ont été jusqu'à aujourd'hui exploitées, réinterprétées, mais pas nécessairement de la façon dont nous, en Occident, nous les utilisons à des fins idéologiques. La culture romaine, s'il y en a une, n'a jamais été restreinte par des limites géographiques induites par ses conquêtes militaires. Elle s'est transmise au-delà de l'Europe, en Orient et à travers aussi la philosophie islamique. Il n'y a pas d'identité latine et Rome n'est pas une identité. Elle ne pensait elle-même pas comme une grande mélange, un projet, un ethnogénèse, mais absolument pas une origine ni une passé déterminée. Ben, en fait, le truc, c'est quand même Rome, c'est là où il y a le christianisme, l'Empire romain, c'est là où le christianisme est apparu. Et bon, il y a aussi les Arméniens. Je crois qu'il était sous Rome, en fait, aussi, à un moment donné. Je ne veux pas dire de conneries, là, parce que je ne suis pas sûr. Mais c'est quand même l'Europe qui a absorbé le plus l'identité romaine et le christianisme. Ce mélange qui découle aussi de la Grèce antique. Puisque, à la base, rien que le fait que les dieux, ça soit toute une retranscription des dieux grecs, des dieux romains, voilà, quoi. Et donc, il y a eu ce mélange de la République, au départ, de Rome, qui, au bout d'un moment, a perdu
son polythéisme est devenu monothéiste avec le christianisme et qui a fait cette première réelle ultime séparation entre la religion et entre la croyance et les lois. Donc voilà, donc quand même, c'est quand même en Europe qu'il y a la plupart des États qui sont comme ça, pas dans les autres pays où souvent il y a une religion d'État. Enfin bon, c'est quand même particulier, quoi. Bien sûr que l'Empire romain, il était partout, il était sur l'Afrique du Nord et tout ça. C'est très grand, quoi. Mais bon, quand on parle de l'effondrement de l'Empire romain, qui est après, en 400, il y a eu quand même l'Empire byzantin qui a duré. On a bien vu qu'il y avait une grande séparation qui s'est faite, déjà à ce moment-là. Et en fait, après, il y a eu, pendant très longtemps, la volonté de refaire un Empire de Rome en Occident. Donc c'est l'Empire de Rome d'Occident, quoi. Enfin bon, c'est très bizarre. Très bizarre comme raisonnement, mais bon, ça m'étonne pas, c'est France Info. Alors, il y a eu une petite news sympatoche là. Politicis fait sa une sur 5 racailles de C8 et CNews qui apporte une grosse dose d'idées d'extrême droite dans les foyers à son pro-Z et donne quartier libre aux salades réactionnaires, sécuritaires et xénophobes. Une noire xénophobe, un juif aussi xénophobe, un catho, bon, voilà. Et puis, c'est bien, c'est bien. Et en plus, quand même, C8, c'est eux qui font venir pour la première fois sur des médias français des femmes voilées, quoi. Donc je dis pas que c'est bien, hein, mais enfin bon, c'est quelle blague. Cyril Hanouna, le baba des bouffons, apporte beaucoup d'argent au groupe et une grosse dose d'idées d'extrême droite dans les foyers français. Derrière, c'est Chérie mes amours et autres niaiseries lancées sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna est l'un des plus grands pourvoyeurs du populisme de France, du PAF. Bah, populisme de manière générale. C'est vraiment de la merde son émission, quoi. Mais bon, au moins il y a plein de gens qui s'expriment. Il y en a qui aiment bien, vous avez le droit, hein, il n'y a pas de problème, hein, la liberté d'expression. Mais c'est quand même ouf, quoi. Pascal Pro Pro-Z affirme aujourd'hui d'une liberté inexistante ailleurs. Il se met à profit pour se rapprocher intuitivement de ce que pensent les téléspectateurs quand ils nous regardent. Il veut être le porte-parole des Marcel au bistrot et traduit Elisabeth Lévy qui aime ses rades. Christine Kelly, la miséricordieuse, sait chérir la liberté dans son émission d'opinion de le moins pluraliste du PAF. 4 jours par semaine, 19h à 19h à 20h, elle donne quartier libre aux salades réactionnaires, sécuritaires et xénophobes de ses 4 inamovibles chroniqueurs, à leur panique anti-woke ainsi qu'aux fake news les plus décomplexés. Jean-Marc Morandini, vieux porc. Si l'information poubelle avait un visage, elle porterait celui de Jean-Marc Morandini. Enfin bon, si vous voulez. Alors, une petite blague aussi. L'actrice, à bientôt là, culture, écologie, monde, société, ça fera un drapeau LGBT. Hein. Ça peut être stylé, hein, F de souche. L'actrice et militante féministe Jeanne Fonda, sans racisme, il n'y aurait pas de crise climatique. Oh non, c'est bon. Alors. Passage à 5. Ah oui, d'accord, à 5. C'était quoi, anything except try to join the movement to stop it. And that was where it started because you're pretty active even after the. Well, you know, you can take anything, sexism, racism, misogyny, homophobia, whatever it is. And if you really get into it and study it and learn about it and the history. Vous pouvez prendre tous les trucs à la cité, homophobie, machin, racisme, et si vous les étudiez profondément, and the history of it and everything, tout est connecté. Everything's connected. There'd be no climate crisis if it wasn't for racism. Il n'y aurait pas de crise climatique s'il n'y avait pas de racisme. How do you get to that? Tell me. Where would they put the? De quoi? Bon, c'est pas. Eh bien, vous savez, vous pouvez en prendre n'importe quoi, sexisme, racisme, etc. Si vous vous y mettez vraiment et que vous l'étudiez, que vous apprenez l'histoire et que tout est lié, il n'y aurait pas de crise climatique s'il n'y avait pas de racisme. Moreno a demandé à Fonda une explication, ce à quoi elle a répondu « Où mettrait-il toute la merde ? Où mettrait-il le poison et la pollution ?» Fonda a poursuivi « Ils ne vont pas le mettre à Bel Air. Ils doivent trouver un endroit où viennent les pauvres, où vivent les pauvres, les indigènes et les gens de couleur. Ils le mettent là. Ils ne peuvent pas se défendre. Et c'est pourquoi une grande partie du mouvement pour le climat a maintenant à voir avec la justice climatique. » Donc en gros, ce qu'elle dit, c'est que si on n'était pas raciste des autres populations, les blancs, on n'aurait pas eu ce truc de commerce qui aurait, ou les colonisations, où on aurait écrasé tous ces peuples et ce ne serait pas devenu la poubelle du monde, les poubelles du monde, je ne sais pas, par exemple l'Albanie, où il y a plein de pays en Afrique aussi comme ça, où en fait on exporte nos déchets, j'imagine que c'est de ça qu'elle parle, et donc en fait on serait obligé de traiter nos déchets chez nous, et donc en fait il n'y aurait pas de crise climatique parce qu'en fait on aurait déjà inventé
la solution par rapport à tous les déchets, tout ça. Et peut-être qu'on a inventé des mégatubes. Je sais pas, c'est peut-être ça qu'elle dit. Bon, c'est une théorie. New York Post. Ok, pourquoi pas. Et donc, on va terminer là-dessus. Pour une petite une personnage à mettre en avant, apparemment, qui a l'air bien stylée. Jean-Christophe Notin, l'historien qui honore les résistants inconnus sur Twitter. Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Christophe Notin publie la compilation exceptionnelle de ses petits portraits de résistants proposés sur son compte Twitter. Rencontre à l'occasion de la journée du souvenir des victimes de l'Holocauste ce 27 janvier. 14 septembre. Attends, je vais vraiment le mettre de côté celui-là. 14 septembre 1944, Belfort, un scout du clan de Larigaudy, écrit à sa mère. J'ai demandé à Dieu que si quelqu'un de chez nous doit disparaître, il daigne me choisir de préférence. Depuis, je suis prêt comme un petit scout. Le 16, le maquis combat, Pierre Dupont est tué, 19 ans. Après, dans l'honneur et par la victoire, plus spécifiquement consacré aux compagnons de la libération, mon dernier livre reprend en effet quelques 500 portraits de résistants au sens large, médaillés de la résistance ou non, publiés sur mon compte Twitter. Ce livre suit donc le même principe. Une photo accompagnée d'une brève légende évoquant un ralliement, une évasion, une tentative pour rejoindre Londres, une dernière lettre. 1038 personnes furent nommées compagnons. Un peu plus de 65 000 se virent attribuer la médaille de la résistance. Voilà qui permettait d'aborder tous les aspects de la lutte contre l'occupant. En particulier la participation longtemps ignorée des femmes, environ 10% des médaillés de la résistance, ainsi que celle de nombreux civils. On ne rappelle pas assez en effet que les résistants et français libres étaient des volontaires issus de tout horizon. Ils furent mobilisés, ce ne fut que par leur conscience. Un autre portrait par exemple, Éclode de Pleuven. Une veste sur une chaise depuis des mois, personne ne veut l'enlever. Car personne n'a oublié ce 3 octobre 42, où la milice arrêta en classe l'instituteur. Ah putain, ça donne envie de chialer. Même pas eu le temps d'enfiler sa veste, torturé René Tressard se tue et mourut en déportation. 25 ans. Putain. Qu'apportent de plus ces portraits à la connaissance historique sur la résistance? Sur le plan théorique, rien, mais sur le plan humain, beaucoup. Aborder la résistance à travers le prisme de destin singulier, de manière incarnée, est un de mes objectifs depuis toujours. Résister, point d'interrogation. Quand mon ami Emmanuel Dastier de la Viguerie, lança ce mot à l'été 1940, nous nous sommes tous regardés en nous demandant ce qu'il pouvait signifier au juste. Me confia un jour Pierre-Louis Dreyfus, dans un de ses très rares entretiens, pour ne pas dire unique, qu'il accorda. Eh bien, ce fut son engagement dans les bombardiers lourds de la France libre qui survolaient l'Allemagne, risquant à tout moment de se faire tuer. Ce fut Léa Vion qui cacha des aviateurs alliés au sous-sol de la maternité qu'elle dirigeait, non loin du mur de l'Atlantique. Ce fut Thérèse Menon qui sabota l'usine dans laquelle elle travaillait. Ce furent les 5 du lycée Buffon, exécutés le 8 février 1943, et tant d'autres. Ces vices exceptionnels dépassent l'entendement. 3 juillet 1944, elle a 20 ans, donc un autre portrait, elle vient d'être torturée. Sois courageux, dit-elle à celui dont c'est le tour. Ils ne te feront pas ce qu'ils m'ont fait à moi. Lui, c'est son frère, Émile, qui sera déporté. Yvonne Jagaden, elle sera fusillée avec son autre frère, Yves Les Jagaden. Famille chrétienne. C'est quoi ça? Ah tiens, je vais mettre de côté. Ah, mais il a repris de ça, d'accord. Stylé. Ok, bon ben voilà, je trouve que c'est quand même bien de terminer là-dessus, de se rappeler de nos résistants, femmes et hommes. Très bien. Bon ben voilà, ça a été une émission extrêmement longue, parce qu'au départ, voilà, cette analyse de l'islamisme était très importante. Je vais en extraire bien les bonnes parties. Et je vous souhaite un bon week-end. Ça a été très très long, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous dit, de partager, de me rejoindre sur Telegram si vous voulez discuter avec moi directement, si vous êtes courtois bien sûr, toujours. N'oubliez pas aussi que le plus important c'est la famille, que si vous n'avez pas eu de chance d'avoir une des familles qui était solide et qui vous donnait un cadre pour vous épanouir, vous pouvez le faire vous-même, construire une famille qui est la chose la plus belle au monde, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est quelque chose qui est prioritaire, et donc aussi n'oubliez pas de vous communautariser, de protéger notre pays, d'essayer de transmettre, de créer en fait, parce que c'est la seule chose qu'il faut faire, c'est créer, arrêter de se plaindre uniquement,
Bien sûr, moi, c'est un peu ce que je fais pendant toute la première période, mais il faut créer pour pouvoir remplacer ce gauchisme ambiant qui nous détruit en fait de l'intérieur. Voilà. Et donc, je vous dis à demain pour la partie cool, parce qu'on fera des trucs un peu plus cool. On parlera, on lira un peu de Furia, on lira, on parlera un peu de Vaincre ou Mourir, qui est vraiment stylé comme film. On fera un peu aussi la France Orange Mécanique, mais principalement, on essaiera de se marrer. J'ai une petite surprise pour demain. Un nouvel invité va arriver. On va bien se marrer. Voilà, bonne journée. Profitez bien de votre week-end. Et bien sûr, bon courage à vous pour la suite.